Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités datent. Je suis PH Quentin avec moi Doom Plante. On est en direct de nos nouveaux studios. Euh, on vous donne un petit sneak peek de ce qui s'en vient, mais euh, juste pour l'intro parce qu'après ça, on retourne chez nous pour le podcast de cette semaine avec avec Sophie Nellis, qui est une comédienne que vous connaissez sûrement, qui est une vedette de nos écrans euh, québécois, mais aussi des écrans internationaux. En fait, on l'a découvert en 2011 dans le film Monsieur Lazare, alors qu'elle était encore euh, toute petite, là. Ouais. enfant. Après ça, la voluce de livre en 2013. Après ça, les rôles se sont succédés. Il y a un, film, un nouveau film d'action euh, qui s'appelle Close, Close ou Closer? Anyway, euh, sur Netflix en <laughs> ce moment, que vous pouvez trouver là, facilement. Euh, D'autres films qui s'en viennent, dont un film de requin incroyable. Ouais. <laughs> euh, C'est finaliste qui est tellement jeune, qui qu qu vient d'avoir 19 ans, mais qui a une feuille de route assez impressionnante. Euh, merci. C'est pas une belle conversation sur sa carrière, son parcours, sur son métier d'acteur. C'est sur plein d'affaires. Super le fun. Ouais, donc euh, écoutez ça. J'espère que vous allez aimer ça. Sinon, euh, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Sur Patreon, on, fait, euh, on essaie de faire le plus souvent possible des, euh, des podcasts exclusifs, du contenu exclusif. Vous pouvez même poser des questions aux invités, comme c'est arrivé euh, sur ce podcast-ci avec Sophie. Ouais. On a pris une, que une question d'un de nos membres Patreon. Euh, vous allez voir. Euh, ensuite, vous nous écoutez présentement sur YouTube, si vous nous voyez, ou sur Balado slash si vous nous écoutez seulement. Euh, C'est toujours apprécié de laisser un commentaire, de nous donner une note euh, de cinq étoiles sur Balado, de vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Balado, toutes ces plateformes-là. Suivez-nous dans le fond, partagez la bonne nouvelle et allez en paix euh, sur, ce, <rire> <Yes>. <rire> sur, sur cette finale. <laughs> sur cette finale magistrale, euh, bon podcast. Bonne écoute. Hey, c'est parti. Allô, ça va bien, ça va bien toi. Ben vous, oui, ouais. <laughs> merci d'être ici. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait merci un petit avoir. bout qu'on veut t'avoir. Oui, ben c'était écrit là, un, ouais. un bout là, j'étais un peu occupée, ouais, ouais. ouais euh, t'as l'air très occupé. Mais <laughs> honnêtement, les gens pensent ça. En fait, je pense que souvent, j'utilise le fait que je suis occupée pour comme canceler les gens. Pas que je vous ai oh. cancelé, <laughs> j'étais réellement euh, occupée, ouais, puis j'ai eu comme des infections. aux Ça aurait, ce serait euh... pas grave. Là. Non, non, mais souvent comme mes, a... genre pas mes amis, mais comme des gens que je veux... Je suis pas nécessairement voir, je suis comme ouais, je suis vraiment Trêlement occupée. occupée. Ouais. Ouais, j'ai okay. des affaires, De comme, je suis comme un ouais, comme Honnêtement. <laughs> euh, je suis occupée vraiment quand, quand je fais mes sessions au CGEP, mais ouais. euh, j'ai dû quitter ma dernière ben, cette session-ci parce que j'étais comme partie pour un bout. Fait que je fais des cours à distance, fait honnêtement, euh, ma mère était curie de me voir à la maison. Je ah suis ouais. Genre le divan, à écouter Netflix, genre ah constamment. Même <laughs> moi, là, hier j'étais avec des amis puis j'étais comme la gang, genre sortez-moi d'ici <laughs> parce que j'ai rien à faire. Là, ah ouais. ouais. Puis là ça fait tout longtemps ouais. que t'es dans cette euh, période là de rien à faire. Euh, ben ça fait, c'est juste cette, cette, cette session-ci dans le fond. Okay, ça okay, fait okay. comme un okay. mois parce que j'étais partie euh, en janvier pendant deux mois. Je suis allée tourner un film à Londres. Ok. Euh, puis je suis revenue euh, janvier euh, fin février. Ça fait comme un mois et demi que je suis revenue. Puis là, comme... là t'en as-tu un autre qui s'en se se vient veut... éventuellement Ou là, tu sais pas quand est-ce que tu vas. Euh, partir? Non. Mais là, dans le fond, j'ai deux films qui devraient sortir cette année. Lui, il sort vraiment rapidement parce que veut... c'est un film de requin. Ouais, ouais j'ai vu, ouais. vu ça. Ouais. Ils veulent le sortir pour l'été, dans le fond. Ah, oh, ok. Fait le le fond. Oh, okay. Fait ouais, fait... être le tourner quand Mais en fait, j'ai fait une... j'ai fait un trois semaines en République Dominicaine, okay. euh, au mois de décembre. Puis après ça, tout le reste du film, dans le fond, se fait en dessous de l'eau parce que c'est comme des filles qui vont euh, visiter des caves, des grottes, genre souterraines. Ouais. Okay. Euh, fait que tout ça, ça a été tourné dans un bassin à Londres. Fait que oh, ça, ouais. ça a été comme le deux mois de période que j'ai fait. Dans un bassin naturel, un bassin. Non, un, un bassin vraiment de. une piscine pour filmer. Ouais, ouais. une piscine mais ouais, dans les studios. Qui ont, là. Qu a de l'air d'une grotte, qui ont mis, genre. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils mettent. C'est comme un gros bassin, tu peux faire n'importe quoi. Là, OK. Puis eux. Il... c'était vraiment green screen? non vraiment pas c'était juste c'était dans l'eau puis c'était comme ils mettaient des, euh... des espèces de plateaux qui configuraient c'est comme ils pouvaient configurer une ah, table ouais, okay. puis ils mettaient dans le fond de l'eau fait que nous ah, c'était ouais? genre des roches euh, des statues c'est tellement dur à expliquer comme c'est plus clair quand on va voir le film mais c'est dur à expliquer comme ah. ça mais puis ils mettaient il mettait... Euh... parce que pour rendre l'eau un peu comme l'eau de la mer il ouais. faut comme qu'elle soit texturée un peu euh... ils mettaient du brocoli broyé ah, ouais? ça fait que ça devenait chaud ça, oh. comme, ça devenait mou, puis ça commençait à cuire dans l'eau. et oh. c'était vraiment des, plein de goûts de brocolis. <laughs> fait que t'avais genre des plongeurs avec des sacs de brocolis oh. qui arrivaient le matin, puis qui épongeaient ça genre dans notre face, puis genre du lait comme un peu caillé pour donner une oh. texture de comme. C'est hey, pas long c'est dégueulasse. Ah, c'était dégueulasse. Hein. J'ai eu des wow. infections aux oreilles. C'est ça, ah, ouais, c'est là tes ouais, infections, tes attitudes. Ouais, ouais, ouais c'est ça. J'ai fait des. Genre le titre ah. du nageur, là. Ouais. Parce que, ça, ils me l'ont pas dit, tu sais, quand on a commencé le tournage, ils ont pas dit que c'était comme. que ça pouvait arriver. Puis, euh, écoute, les deux dernières semaines, j'ai commencé à avoir ça. Puis, il y en a. tu sais, c'est parce que je vais je voir un médecin, puis tout. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait, ah, tu peux pas être dans l'eau pour deux semaines. je suis <laughs> comme, ouais, non, c'est pas vraiment une possibilité. <laughs> là. je suis comme, moi, j'ai pas ouais. envie de rester ici, genre, plus longtemps. Um, fait que pour le mal, tu sais, moi, j'ai vraiment de la misère, c'est comme prendre des pilules, là, ouais. comme avaler des pilules. Hey, j'étais genre dosé <laughs> ces pilules. J'avais genre Il fallait que je prenne comme des, 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 des médicaments, genre ouais. pour mes oreilles. Puis après ça, j'avais tellement mal qu'il fallait que je prenne des des, genre, des antidouleurs. Des, je pense qu'ils mettaient tiro... sur la, la codéine, genre fait que là c'était tellement fort pour pas que j'aille mal dans que là, là j'avais mal, <laughs> ah mal au cœur oh non j'essaie là j'avais mal au cœur parce que c'était tellement fort qu'il me donnait des genre time nausea genre ouais. fait pour pas avoir mal au cœur j'étais sous l'eau là, là j'étais buzzée, là j'étais comme c'est l'enfer puis là il fallait que je respire dans une espèce de masque qui, à la base c'était un peu genre claustropho... Claustropho... Ouais. claustrophobie ouais ouais <laughs> écoute ça les deux dernières semaines là ça j'ai pas filé ah là, vraiment ouais. pas là. Mais, mais ça. Au moins, t'as pas trop de lignes à dire en dessous de l'eau, mettons? Oui, oui, 100 de... Oui, parce que on, on par... c'est vraiment comme ça. Fa... Ouais, on parle. Nous, on pouvait communiquer avec les autres filles, dans le fond. Mais c'était vraiment. Écoute, c'est tellement spécial, c'est dur à expliquer. Mais dans le fond, c'est ça. C'est qu'on a des, des masques qui couvrent notre face au complet. Puis nous, on a des micros qui peuvent mettre, qui nous relient aux autres filles. Mais fait, ça, hum. c'est dans le film, là. Le... Oui, ouais, c'est dans le film. Ouais. On a des dialogues. ouais, ouais. ok, ok, ok. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont comme un speaker en dessous de l'eau pour qu'on puisse s'entendre parler. Ouais. Mais tu sais, nous, on entend comme les bulles qui sortent de notre, de notre masque ouais. en même temps. Fait qu'il faut qu'on arrête de respirer quand les autres parlent pour les, les entendre. En même temps, il faut que tu respires. Fait que là, t'es comme. plus ouais. <laughs> tu fais ta ligne. C'est tellement bizarre comme concept. Puis là, souvent, tu les entends pas. Fait qu'il faut vraiment que tu réussisses à prendre tes propres lignes et celles des autres. Faut Parce que des fois, ouais, des fois, tu faisais. T'entendais même pas ce qu'ils disaient. Tu faisais juste assumer. Qu avaient... Tu voyais plus leurs lèvres bouger. Puis t'étais comme. Ah, je pense qu'elle a fini. Fait que là, tu faisais ta ligne. Ah <laughs> oh, ouais. Fait qu'on était à quatre là, en groupe. Là, puis là, on se mettait. Parce qu'il y avait un requin, puis là on se mettait à crier euh, c'était quelque chose. Ou sinon, des fois, c'est parce qu'il des fois il enlevait nos micros, justement, pour pas qu'il y ait comme les fils qui nous suivent. Fait que là, le, le réal peut te donner des directives, mais pas toi. Tu peux pas répondre. Fait que là, lui, comme il pas, ben, ben, il t'envoie chier, mais genre il niaise. Fait que là, toi, toi bien tu bien veux faire des blagues, tu t'es comme tu veux poser des questions, c'est tellement difficile, parce que tu veux poser des questions, tu sais, ça, que ce soit genre une micro-question, genre Hey, t'as-tu besoin que je sois plus vers la gauche? C'est comme là, ce tu essayes d'expliquer, puis comme. Puis là, il est comme, I don't, I don't understand what you're saying. Puis je suis comme. Il <laughs> est comme, what? Puis je suis comme... comme, on va juste la faire. Fait que c'est vraiment. Euh... Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Puis ça, dans le fond, c'est. De, de ce que je crois comprendre, c'est une série avec un, des requins qui sont. Euh... Ben, c'est un film. non ouais, C'est mais mais comme, déjà c un, comme un, le, ouais, sequel, c le sequel ouais. d'une série de, de films de requins intelligents. Oui, bien Plus fond... intelligent que la moyenne. Non, pas nécessairement plus non? intelligent. Non, c'est vraiment juste. Ben, dans le fond, le premier qui est sur Netflix en ce moment, euh, c'est deux filles qui vont faire genre du cage diving. Et ouais. Puis euh, ils ont... ça donne que la, la cage tombe au fond de l'eau. Okay. Là, il faut qu'ils réussissent à remonter à la surface, mais s'ils sortent de la cage, ils sont dans la mer. Ah, ils ne peuvent pas se protéger, sont, ouais. puis il y a des requins, fait qu'ils se font attaquer par des requins. Ils ne sont pas nécessairement. Plus intelligent. Okay, okay. Puis comme ça me gosse parce que le deuxième film a aucunement rapport avec le ouais. premier. Tu sais, le titre c'est 47 Meters Down, Uncaged, uncaged mais genre quoi. on sort pas d'une cage, comme, on n'est pas 47 est Meters Down. C'est juste parce que c'est pas dans la cage. De... Juste, ouais, c'est ça. Mais je pense que ce qui est le fun. <laughs> on je... est ni dans une. ni Uncaged. <laughs> ni, dans... ni 47 Meters <laughs> Down. Dans... Fait que là, je suis comme. C'est vraiment la... le titre n'a rien à voir. Ah non, non, puis là, nous, moi puis les filles puis le réel, on essaie <laughs> toutes de se battre puis on est comme changé de titre puis là, c'est comme sorti de même. Fait que le Trop tard, mais, ouais. mais c'est ça. fait que tu as, as vraiment pas besoin de voir le premier wow, ouais. pour mmh. voir euh, le deuxième. Je pense que le deuxième est un peu plus. Int ben, pas pour bâcher le premier, là, parce que j'ai quand même trouvé le premier hot. Là. Euh, mais c'est ça, c'est juste que comme. C'est moins répétitif parce que comme on est vraiment dans des grottes, puis il y, y a plus de plateaux que juste être dans une cage tout wow. le long. Tu sais, on se promène de tunnel en tunnel, puis. Euh, ouais. La grosse majorité du film se passe en dessous de l'eau là. Ouais, c'est pour ça que c'est comme original. Pis moi, ça me tentait de le faire oh, parce que c'est pas genre euh, jazz ou que comme tu te fais attaquer puis on ne voit plus. C'est vraiment tout le. Il y a, a peut-être un 10 minutes qu'on est à, à l'extérieur de l'eau, oh, mais ouais. tout le film est sous l'eau. Puis c'est comme il y a aucun film de requin qui a été fait comme ça. c'est mm. ça qui m'intéressait quand je l'ai pris. J'ai fait c'est un, un challenge physique énorme d'être 10 heures dans, dans, dans l'eau à chaque jour là. Euh, puis moi je suis pas quelqu'un qui tripe sur l'eau puis faire de la plongée, tu sais comme on a dû faire des affaires que c'est en fait c'est la première fois que je pleure sur un plateau de tournage, oh ouais, comme ouais. de pas de pleurer pour une scène de, mais ouais, vraiment de fatigue ou de oui écoute, ouais, les vendredis moi puis les filles des fois on faisait juste s'asseoir puis on se mettait à pleurer tellement on était comme oh ouais. épuisé puis en fait, c'est qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait euh, stresser parce que pour la plupart du temps on a notre masque mais il euh, y a un certain moment dans le film que moi il faut que je l'enlève. Euh, puis là, fait que là, quand tu l'enlèves, fait que là, moi, il fallait que j'aille en dessous de l'eau. Puis j'étais comme quand même 6 mètres sous l'eau. Je pouvais pas faire des, des, des allers-retours en haut en bas parce que c'est pas bon pour tes oreilles dans le fond. Fait que là, mon plongeur, tu sais moi, quand j'avais répété, euh, j'étais comme dans une espèce de tank où je euh, voyais tout, je voyais mon plongeur, c'était mon plongeur qui était avec moi. Puis sur le jour du tournage, c'était plus le même plongeur qui était avec moi parce que lui il était comme à l'extérieur de l'eau pour des raisons. Là. Puis euh, Là, j'étais comme, ils m'ont placé dans une espèce de trou noir. Tu sais, veux, veux pas, c'est pas des vraies roches, mais comme, reste que. Wow, je suis quand ouais, même ouais, pognée, ouais, j'ai ouais, quand même pas de place. Tu me mets ouais. dans un trou noir, tu m'enlèves mon masque, tu m'enlèves mon air. Puis là, je suis censée, comme, essayer de me débattre, puis de sortir quand je vois rien, puis de redemander pour de l'air en haut. Tu je fais pas juste nager à la surface, il fallait que je reste là. Mais tu sais, quand t'as plus d'air, le. Ça, c'est comme le signal, genre. Ouais, ouais. Ouais. Mais comme, ça prend peut-être comme 4 secondes d'arrivée. Mais quand t'as plus d'air, c'est vraiment long, 4 ouais. secondes. Puis là, tu le vois pas, puis tu vois juste comme... C'est tellement flou. Là, tu sens quelqu'un qui te à amener puis... Ah ouais je sais, mais, mais comme la première terrible, fois je l'ai fait, j'ai tellement fait de l'anxiété. Puis mm. comme, c'est drôle parce que, en fait, ce qui est rushant, c'est que t'es pas en contrôle. Tu peux pas décider quand ton air arrive. Tu peux pas juste dire, je monte à la surface. Puis... Fait que ce fait-là d'être totalement pas en contrôle c'était plus fort que moi puis même si j'étais comme ça tu vas l'avoir ton air dans genre 4 secondes on dirait que c'était plus fort que moi je me, me mettais à faire de l'anxiété puis comme je sentais que j'avais j'avais plus d'air puis ouais. ça m'a pris une coupe de fois là, que je sortais puis j'étais comme gars j'ai failli dire comme mettais ma doubleur, je serais pas capable finalement mm. je l'ai repratiqué je l'ai pratiqué puis je l'ai eu fait que même si tu sais c'est un film de requin fait que c'est pas un rôle de composition c'est pas un ouais, rôle ouais. que je vais gagner des prix pour ça reste que c'est un des rôles où j'ai été le plus fier par après parce que je, comme j'ai réellement surmonter une peur puis surmonter de quoi que comme j'aurais jamais pensé faire c'est fou ça mm. c'est fou puis ça tu penses que tu, ben, en fait j'imagine que ce genre d'expérience de, là ça va ça reste longtemps pour toi là tu sais il n'y aura plus un plateau que, que tu vas non. faire Wow, ok là je suis pas sûr que ça me tente de ouais, faire ouais. du cheval dans <laughs> ce <cette rire> film là tu sais ouais, non ben c'est <laughs> chacun chacun ses peurs il y en a pour qui justement la plongée il ferait jamais ça tandis que moi tu me demandes de faire des scènes avec des araignées tu sais jamais wow, je vais faire peur. ça fait que, mais ouais je peux vraiment dire que comme c'est une expérience once in a lifetime je ne peux pas parler anglais mais c'est fou ça le prochain de la série c'est des araignées ou les des requins tu vas dire non ouais non mais mais honnêtement même si ça avait été... comme là c'est avec des faux requins parce qu'on c'est comme des requins plastiques mais j'ai été une semaine trois semaines en République dominicaine qu'on tournait tournait vraiment dans la mer j'ai vraiment pas trippé là parce que j'ai peur des requins à la base j'ai vraiment peur t'as tu réussi à avoir peur pour vrai, dans, mettons, dans, dans le bassin, euh... Avec, même si c'est requin requins en plastique, as tu as réussi genre, à, à te mettre dans, dans une situation pas où est-ce que non, non? honnêtement c'est ça, c'est que j'avais c'est tellement non j'avais vraiment pas trop d'autres il y a, ouais. qui se dans il y a ta juste une pour... fois que j'ai eu peur quand il avait laissé le requin en quelque part, je savais pas qui était, fait que là je suis comme dans le tunnel puis il y avait juste comme un fucking gros <laughs> bon, okay. requin, <laughs> fait que là on a toutes les filles on, on s'est mis à capoter, mais, euh, mais non tu sais vraiment pas où j'avais plus peur, c'était justement en République ouais. Dominicaine où je savais qu'ils pouvaient être là. Puis honnêtement, quand je regarde les shots, comme j'ai pu voir un peu là, des fois des scènes, euh, ça fait vraiment plus peur quand tu regardes que quand tu es dedans. Okay. Parce mmh. que, à cause de la luminosité et de la manière dont c'est filmé, t'as l'impression que les tunnels mesurent genre 500 mètres. T'as l'impression qu'ils qui finissent plus, puis qu'ils sont minces, qui qu'ils sont, sont super petits. Comme, hey, ils doivent tellement avoir peur. Puis, honnêtement, t'arrives en bas, le, le tunnel, des fois, peut faire comme le long de ton appart. C'est comme, ouais. c'est genre 3-4 mètres. C'est quand même assez grand mm. là, tu sais, pour rentrer comme quatre personnes, puis une caméra, puis tout le monde. C'est quand même grand, wow. mais à la caméra, ça a l'air vraiment plus petit. Fait que, non, fou, honnêtement, j'étais vraiment pas. La magie du cinéma. C'est fou pareil. <laughs> c'est malade. Ouais. Juste ouais. avec des, des prises de vue, puis. Mm. Parce que moi, me, me sens, j'ai regardé juste le trailer euh, cette semaine, puis. Euh... On, juste le trailer, ça me donnait froid dans le dos. Moi, j'ai mm. vraiment peur des requins. Les films de requins, c'est des affaires que je déteste. Ouais. Là, pas que je déteste les regarder, mais je déteste le feeling que ça me procure. Mm. Là. Ouais, non, non, j'essaie, mais, mais même moi, je regarde le premier puis je saute parce que, comme. Ouais. C'est ça, mais en vrai, c'est vraiment pas le vibe d'un requin parce que c'est comme un ouais, petit ouais. requin plastique avec un plongeur qui nage avec. Ouais. C'est un peu comme puis après ça ils refont le requin en CGI oui c'est ça fait que ah, moi ouais. je l'ai jamais vu le requin je sais même pas de quoi il va ah, ah, vraiment qui est albino dans mon film après ah, ah, moi c'est ah, des ouais. requins albinos pourquoi pas pourquoi <laughs> pas <Okay, rire> j'ai pas hein? encore vu ouais. c'est malade ça. fait que toi dans le fond pour ce rôle là t'as reçu un, un, un call par ton agence puis ouais. t'as envoyé le scénario tu as fait ouais ça m'intéresse c'est ouais. quoi le genre d'audition pour ce... Euh, ben c'est ça justement drôlement c'était comme une audition euh, vraiment normale là. ben en fait c'était un self tape parce que c'était pour euh, les États-Unis justement ouais. mm -hmm. euh, fait qu'ils m'ont appelé ils ont dit on aimerait ça que tu auditionnes pour ça euh, puis c'était drôle ben, j'avais vu le premier comme par coïncidence deux jours avant oh, ouais. euh, puis j'ai fait comme oh, ok j'ai auditionné pour puis c'était comme une scène euh, c'était une des scènes finales là, où que, comme on stresse puis là on manque d'air mais justement vous êtes dans, dans l'eau hein? ouais on est dans l'eau mais ils, ils me l'ont juste fait faire comme euh, debout euh, en train de parler avec quelqu'un. Okay. Puis euh, moi, je filme ça chez nous, dans le fond. Je fais ouais comme ouais. des self-tapes, j'ai mm -hmm. comme un, un setup. Ma mère qui, qui lit mes lignes, c'est génial. <laughs> elle te donne la réplique, dans le fond? Ouais, mais comme. C'est comme. C'est un requin, c'est un requin! Oh non, mais comme. Ah! C'est un running gag parce que ma mère, elle est tellement mauvaise pour lire des lignes. Ah ouais. c'est comme. Des fois, elle se met vraiment trop dans la peau du personnage. Overact, overacte. À overact, puis je suis comme... Ça me fait tellement rire. Il y a tellement dedans, puis elle est comme... « No, you can't! » Je suis comme « Man, genre, juste fais ta ligne. » Des fois, elle oublie, comme... Elle n'est pas capable de faire ses lignes, puis je suis comme « Man, tes lignes sont dans ta face, genre. » Moi, j'ai tout ça à prendre par cœur, puis les tu es juste à lire, puis elle est comme... « Oh, sorry, that's my line. » Puis je suis comme... On se pogne vraiment souvent. <laughs> euh, mais c'est ça fait que bref j'ai envoyé l'audition puis le euh, je l'ai eu m'ont appelé pour me dire que je l'avais. est-ce cool. que la partie de ta mère est coupée au montage ou les autres ils voient ça aussi non ils voient ça ouais. ah ouais, ouais. <laughs> puis là j'avais trouvé ça drôle parce que euh, j'avais fait voulait, un genre ils de... voulaient l'engager dans le fond hey la, <rire> <rire> ta mère elle est être trop non. bonne on l'a vu dans, on on dans voulait dans le on film on voulait un une... rôle pour elle <laughs> on voulait une adolescente dans le film mais on va <laughs> mais non ta mère mais sûr. drôlement pour, mes, pour, euh, pour la voleuse des livres c'est comme ça que j'ai le rôle parce que moi, quand il m'avait approché pour faire euh, l'audition, dans ce temps-là, je faisais de la gymnastique. Ouais. Fait que j'avais pas voulu euh, auditionner pour parce que je, ça me tentait pas, mais mon ami auditionnait pour. Fait que j'étais comme, bon, je vais aller faire sa réplique. Ah ouais. Okay. Et euh, comme dans la façon qu'on l'a tournée, tu sais, comme moi, j'ai fait que ma mère, elle, elle est derrière la caméra, fait qu'on la voit pas. Mais, toi, on te mais nous, c'était comme notre premier self-tape. Fait qu'on l'avait fait comme vraiment ensemble, comme une genre de scène. Euh, c'est moi qui ai eu euh, le callback, aye puis lui, il pas fait rappeler. C'est fou, ne ouais. pas, n'est on, on, pas pour le même rôle, mais euh, ouais Ah comme ouais, ça que fait que les eu. autres sont juste tombés là-dessus, en fait. C'est qui, elle? ouais C'est fou, ça. Mais comme il m'avait appelé, moi, mais j'avais dit non. Puis là, ah ouais. j'ai fait comme, hey, mais j'ai un ami qui pourrait peut-être auditionner pour le gars, puis lui, il avait, parce qu'il était dans ouais, la même ouais. agence que moi, fait que mon agent l'avait fait faire venir, lui, pour le rôle du gars. fait que moi, j'étais genre, peut-être je vais donner sa réplique. Ils t'ont dit, ouais, on, on te voudrait vraiment. Là. Ouais, <laughs> c'est okay. bon, ça. Bon, finalement, ouais. ça aurait été une extrêmement bonne euh, oui. décision. Au ouais, <laughs> <laughs> c'était comme ton premier film international. Euh? Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pas... mon premier film en, en, anglais, en anglais aussi. Ouais. 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 J'avais un accent, comme j'avais encore. Un... En ce moment, quand je parle, je pense que je, je, je suis 100% bilingue. Ouais, pas vraiment Mais c'est mais, mais, mais ça. Quand je dans ce film-là, j'avais encore un gros accent québécois, mais ça fonctionnait parce que justement, la fille avait comme un accent allemand. Dans le sens, j'ai eu des cours pour parler avec un accent allemand, mais c'était pas grave que j'ai un accent québécois. Ah, c'est cool. Ton parler en anglais, comment tu l'as comment tu l'as travaillé jusqu'au point de plus avoir d'accent? C'est vraiment venu naturellement, je pense que c'est à force de faire des entrevues, justement, parce qu'après la voleuse de livre on en a fait comme beaucoup, beaucoup. Ouais. À tous les jours, j'ai parlé pendant comme un mois et demi non-stop. Puis je pense que c'est juste vraiment... C'est venu, si... ouais, venu avec le temps. C'est venu avec le temps. à la base je parlais bien anglais, là. C'est juste que j'avais un accent, mais à force ouais. de parler puis à faire des rôles. Euh... Mais même là, si en ce moment je me mettais à parler anglais, j'aurais pas d'accent. Mais moi, je vais entendre un. Petit, tu vas entendre ça, un grain ça me de prend ça. Un deux semaines pour comme vraiment m'habituer. Ouais, Mais ouais. vu que je parle en français dans mon quotidien je vais à l'école en français, euh, si je me mets à parler à quelqu'un en anglais en ce moment, moi, j'entends un peu la différence. Puis je ne suis pas comme 100% à l'aise avec à ça. ouais, ouais. Exactement. Okay, je comprends. Puis, euh, mettons, quand, quand, as, quand tout ça a commencé, ben, tout ça a commencé, quand ça a explosé vraiment mm -hmm. pour toi, euh, est-ce que. Est-ce qu'il y a eu la, la pensée de dire OK, je mets tout le reste sur pause puis je continue? Parce que je sais que tu mets quand même encore l'emphase sur l'école. Mm -hmm. Là, tu as pris une session off que tu me dis. Mais, mais je fais des cours à distance. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Puis, mais ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui, avec des opportunités comme celles qui se sont présentées à toi, auraient juste dit OK, go, euh, mm -hmm. all in, 100%, euh, mm -hmm. pas que le reste. Là. Mais c'est sûr que euh, à la base, ben, c'est comme la plus grande décision à faire, en fait, c'était entre la gymnastique. Puis, euh, okay. Le cinéma. Parce que moi, j'étais sur. Euh, j'ai m'entraînais au club Gymnics, j'étais sur comme l'équipe euh, nationale. Non, presque. Nationale pour les Olympiques. Ouais, ouais. Pour l'équipe euh, des, des Jeux Olympiques. Les, je les, les espoirs olympiques. Oui, les espoirs olympiques. Puis, euh, tu je m'entraînais euh, 35-30 ouais. euh, heures par semaine. Moi, ça avait, hein? je pareil. Hein? ouais ça n'a ça a pas de sens. Ouais. C'est un des sports les, qui s'entraîne le plus. Puis, dès un jeune âge, moi, j'avais 10 ans, puis je faisais 30 heures par semaine. Oui, c'est fou. Ouais, Des fois, les filles aux Olympiques qui ont 14 ans, souvent. Souvent, genre 16 ans, c'est comme, ouais, elle, elle arrive à la fin de sa carrière. Ah, ouais, ah non, mais c'est ça, c'était vraiment ça l'enjeu. J'ai fait comme. J'ai fait, je veux c'est tellement. J'ai dit, je veux-tu, j'étais blessée aussi à la base, hmm. parce que c'est tellement difficile pour, sur le corps. J'ai dit, est-ce que je veux vraiment m'entraîner pendant encore six ans à ce que ça, ce soit ma vie? Pour arriver à 16 ans puis que ma carrière soit finie, c'est pas comme aux États-Unis que t'as une bourse puis que ta vie wow, continue ouais, après. C'est du sport amateur au okay? Canada, le sport amateur. fait les Olympiques puis c'est un énorme accomplissement personnel. Puis ça, je pense que peu importe ce que je vais gagner avec mes rôles, je pense que ça va jamais être aussi puissant que si j'avais Réussir à aller aux Jeux Olympiques. Un Oscar, ça se pourrait que ça fasse la balance. Ouais, peut-être, mais comme. Je <laughs> sais pour pas. Pousse... une médaille d'or aux Olympiques, <laughs> ouais. Ouais. Non, ouais, un Oscar. <laughs> Être nominé, c'est comme l'équipe d'or Jeux ouais, Olympiques. Gagner, gagner un Oscar, c'est un autre niveau. Mais on dirait que comme il y, y a plus de pertes, en tout cas, dans, dans ce que moi, je vivais avec la gymnastique, mais j'étais tellement blessée que j'ai dit Je veux vraiment m'entraîner autant pour peut-être que le Canada mmh. fasse une équipe cette année-là, peut-être que je ouais. réussisse à faire l'équipe, peut-être que je me pète pas la cheville. Genre, il la... y a tellement y a de petits de facteurs, facteurs hein. qui fassent que tu y iras pas c'est tellement plus safe puis comme plus sain d'esprit aussi euh, le cinéma malgré qu'il y a beaucoup de en tout cas c'est pas 100% sain d'esprit oh, le, le, le cinéma mais bout. mais, <laughs> mais euh, c'est ça que j'ai fait que j'ai décidé d'aller dans le cinéma puis tu sais j'étais blessée aussi fait que j'étais comme J'étais un peu à bout mais j'admire encore tellement le sport puis j'y vais à chaque année ils font comme des événements euh, à mon club ils font des grosses compétitions internationales puis je vais les regarder puis je vais les encourager puis je fais du bénévolat parce que hum. j'adore ça puis je trouve ça tout le temps tellement impressionnant mais c'est juste, je regarde les filles, c'est encore juste ça leur vie, ils parlent juste ouais. de ça. Tu n'as pas le temps d'avoir des amis autres que tes amis de gym, tu pas le temps de sortir, tu pas le temps d'avoir une vie d'adolescent normal. Tout à fait. Que ouais. moi, c'est comme, tu es tellement m'a sur ça, puis c'est beau en même temps, mais moi, je suis vraiment contente en fait d'avoir. Euh, ce choix-là. À, à quel âge tu as pris la décision d'arrêter la gym? Pis... Euh, vraiment, quand j'ai eu euh, la voleuse livre donc je pense que j'avais... En 2013? Ans, ouais, 11, ouais. 11 ans. Ok, ok, ok. Tu as commencé à quel âge? Euh, j'ai commencé à genre 8 ans, j'ai fait okay. une pub ouais. pour euh, Ikea. <laughs> non, non, mais la, la gym, je parle... Ah, la euh, gym! Ouais. Moi, j'ai comme... Non, tu veux de sa mouchoir? Non, ça va aller. <laughs> <Okay. rire> euh, j'ai commencé à 4 ans. Ouais. Ah ouais? Hein? Ouais, puis C'est ouais. fou ça. Mm. C'est fou. La, la... Moi, j'ai toujours eu un Le respect. Nous autres, on a fait de la natation. Là, ouais, là. ouais. J'ai toujours eu un énorme respect pour les sports qui s'entraînaient plus que la natation. Parce que nous, autres, nous autres, on s'entraînait en sacrement. Là. Ah non, mais la, la pas station, moi, j'ai des amis, ça se lève tôt là, le ah, matin, ouais, là, ça vraiment. se lève à genre 4 heures pour ouais, ouais. dans le bassin. 5h30, c'est bon la piscine ouais. Euh, ouais, dans l'eau. Mais il y avait la gymnastique et la nage synchronisée. C'était les deux sports qui ouais, passaient non, le plus je... de ouais. temps à s'entraîner. Mais je, je pense telle. que la nage synchronisée, c'est pire. Je pense qu'ils sont vraiment plus stricts aussi sur genre régime et... Plus euh... strict je sais pas si sont plus stricts que la gymnastique. Non, non je pense que la nage synchro, sont plus stricts. Ah ok, Okay. Ouais, ouais. moi j'avais un ami qui en faisait dans le même programme de ouais. sport études que moi ouais. euh, c'est débile ouais. dans sport études aussi là mais okay, ben okay. c'est ça c'est pour ça en fait que j'ai réussi à, 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 à jumeler l'école avec le cinéma parce, parce avais que un, ouais. un après midi off à chaque jour <laughs> exactement ouais, <laughs> ouais. Depuis, depuis la troisième année je suis dans un programme où je vais à l'école de comme 8 à midi puis les après midi je retourne chez nous puis comme j'avais des bonnes notes euh, la, la, comme gérante là, du sport études a dit, mm -hmm. reste dans mon programme, mais moi, ça me permettait de faire mes auditions, d'aller dans des entrevues l'après-midi. Puis, mes profs, ils étaient comme obligés justement de m'envoyer mes travaux. Tu sais, ce pas comme ma soeur, justement, elle, des fois, c'est seule son problème, c'est parce que quand elle manque l'école, les profs sont comme, ben non, tu manques l'examen, puis ouais. tu te mets zéro, tu sais, elle n'a pas, pas la possibilité de faire ses examens à distance, parce que moi, quand je suis partie pour la voleuse de livres, je suis partie quatre mois. Tous mes profs, y avait comme mm. pas le choix de justement m'envoyer ouais. mes trucs, m'envoyer euh, tout. Fait c'est vraiment pour ça que j'ai réussi à C'est vraiment la beauté de, des, des programmes sportifs, ben là, oui, mais là. vraiment. Là. Puis on aurait, on aurait vraiment un problème de société si on empêchait des opportunités comme ça pour des raisons scolaires. Ouais. Non, ouais. Parce que le système scolaire, je veux dire, l'école, c'est ultra important, mm -hmm. sauf que c'est. c'est pas la seule et unique façon d'apprendre et de s'accomplir. Ouais. Puis si tu peux faire euh, faciliter. Une opportunité comme celle que tu as mm -hmm. eue, qu'on s'entend, c'est fou pour tout le monde. Ouais. Toi, euh, l'école, le, le monde qui t'entoure, ton entourage, le Québec au complet. Mm -hmm. C'est juste de quoi de, vraiment une simple. C'est cool qu'il ait pu concilier ça comme tout ouais. monde. Là. Mais c'est comme je suis au Cégep en ce moment, justement, en cinéma. Je trouve ça tout le temps drôle quand la, la, vraiment la, la grande majorité de mes profs sont vraiment, sont vraiment smart. Puis tu sais, au cégep, ouais. ils n'ont plus l'obligation de t'envoyer tes devoirs si tu manques des cours. Là. Mm -hmm. Puis moi, j'ai justement eu la chance, quand je suis partie pour ce film-là, d'avoir des profs qui m'ont vraiment aidée, ouais. qui m'ont envoyé mes devoirs. Parce que, justement, c'est ça qui est tricky un peu pour moi, c'est que, là, j'avais fait ma session, la session mettons, de septembre, là, je l'avais faite au complet. Puis j'ai eu le rôle, puis ça donnait qu'il fallait que je parte pour les trois dernières semaines. Mais tu sais, moi, j'étais là à tous les jours pendant comme trois mois. Je ouais, j'ai pas ouais. envie de canceller ma session. Là. Ouais. Mm -hmm. Euh, fait que la plupart ils ont dit c'est correct mais je me souviens j'avais genre un enseignant en fait c'est une prof puis elle voulait vraiment pas m'aider genre j'étais comme mais madame c'est complètement con parce que je suis en cinéma puis je m'en vais faire <laughs> en du ce cinéma moment, je m'en vais cinéma. plus loin que ce, dans ce qu'on <laughs> étudie fait que je suis comme c'est vraiment stupide que comme vous soyez pas en mesure de m'aider je dis j'étudie pour faire ce que je m'en vais littéralement ah, ouais, faire genre ouais. <laughs> c'est un tournage quelle meilleure façon d'apprendre le cinéma Exactement. que de faire un tournage? Mais c'est ça. C'est ça, ça qu'on fait des mini tournages C'est à la limite de moi des crédits. Ah ouais, c'est à la limite non, mais de moi vrai. mon deck de. Ouais. Non, mais <laughs> mais j'en apprends beaucoup dans mon programme. Et ouais. là, elle me dit à c'était comme le temps de faire les examens finaux. Toutes mes profs comprenaient que je tournais. Ben oui. Je ne peux pas comme faire, hey, excuse-moi, l'équipe de 50 personnes, je vais sortir du, de l'eau pour aller faire un. Non, je suis comme, ça ne marche pas de même. La prof était comme, c'est correct, <laughs> tu fais ton examen à distance. Par contre, il faut que ce soit envoyé à telle heure il faut que ce soit fait en même temps que tous les étudiants. Je suis comme Madame, je suis sur un bateau en plein milieu de la mer, ok J'ai mal bon, au cœur. Je dans le brocoli je... puis dans le lait cahier. Je je pense pas que sur mon petit board en plein milieu de la mer, je peux commencer à écrire des dissertations. Là. Genre Madame, donnez-moi un break. Ouais. Puis, euh, puis un se plateau se... Euh, aux États-Unis va pas faire genre ouais. Euh... Non, c'est ça, c'est ça. Genre, eh hey, ouais, ton cégep, là. <laughs> euh, on ne tournera pas <laughs> aujourd'hui parce que Sophie va faire <laughs> que... son examen. <laughs> mais malgré que. Mais il y a des normes, par exemple, d'école. De... Ah ouais, okay. Mais moi, ça ne s'applique plus parce que du... à partir de 18 ans, je pense que ça s'applique plus. il okay, y a des normes mais... pour les enfants. Ouais, sur la voleuse de livres. Pour Mais sur la voleuse de livres, justement, moi, j'avais comme un 4 heures ou 2 heures. Il respectait pas vraiment là. Ouais. Mais, mmh. mais techniquement il y a des normes d'études qu'il faut faire suivre. T'avais tu une prof avec toi? Euh... <laughs> Sophie a besoin de oh. faire de lire un livre. Ouais. <laughs> mais non oh mais ben j'avais moi ma mère est enseignante. Okay. Puis maintenant s'est rendu un peu sa job justement d'être enseignante de plateau là. elle va enseigner à des jeunes sur, à, à Montréal. Okay. Euh, fait elle ça donnait justement que c'était ma comme ma prof de plateau. Mmh. fait que des fois il y a des il y a des tuteurs ils sont ouais. techniquement forcés à te faire faire des devoirs mais en même temps c'était si un ils sont élève, forcés à te forcer à faire des devoirs exactement <coughs> mais moi de moi-même pas que j'aime l'école mais je, je voulais finir mon je veux finir mon cégep puis je veux finir, je voulais finir mon secondaire fait que de moi-même c'est au que j'avais une pause de 20 minutes je retournais je faisais mes devoirs fait qu'elle mm. me forçait pas vraiment là c'était juste elle s'occupait de me wow. de me superviser puis tu vraiment comme dans des examens tu as vraiment genre un local puis Ma mère est comme sévère là, elle me placer dans une chambre pas d'eau, genre pas de mouchoir, puis elle était comme tu restes là jusqu'à l'heure définie, puis je suis comme mais maman, change encore envie de pipi, puis elle était comme je m'en fous. Là. Elle savait que j'allais tricher, genre. Ouais. Pauvre ta mère, sérieux. Le nombre de fois, j'ai réécouté ton interview, tout le monde en parle depuis une coupe d'année là. Ouais. Ta ma mère nanana, puis t'es comme André Turpin à côté qui te dit ta mère est très patiente. Oui, oui. Non ça va ça sais va. C'est bon. ça. Mais ça va vraiment des deux bords, puis comme les gens disent qu'ils sont comme un peu ben pas salés. Mais c'est vraiment... C'est parce que tout le monde qui rencontre ma mère et moi disent qu'on aurait faire un, un, un one-man show qu'on fera jamais, là, genre un télé-réalité, parce que c'est juste... C'est hilarant de se tenir avec nous, autant que c'est pas tout le temps drôle parce qu'on s'en va vraiment... On est comme tellement proches, mais en même temps, on est tout ensemble, fait qu'on se pogne vraiment beaucoup, mais comme ouais. on s'adore. Mais tu sais, quand on est sur des tournages... C'est souvent là, ça. Pas à la maison, ouais, mais ouais. comme... Ouais. Mais c'est spécial comme. Euh, il <laughs> a d'avoir une drôle de, de complicité. Vraiment. Là, ouais, là. vraiment. Ouais. <laughs> c'est cool. Ouais. C'est le fun. Euh, hier, justement, j'ai rechecké un peu euh, certaines de tes entrevues, de, de, puis certains de tes rôles. Dans le fond, de ta mm -hmm. biographie, puis tout. Puis à chaque fois, il fallait que je retourne sur IMDb, puis me dire quel âge elle a Ouais, c'est. Ouais. Tabarnak. La ouais. liste est longue, <laughs> là, pour. Euh, là, as 19. Euh, ouais, je viens juste d'avoir 19 fois. C'est impressionnant. Carotte, là. Comme, voyons, non, si toutes ces affaires-là, 19 ans, si ta carrière commence à 19 ans, tu commences jeune. Ouais, ouais c'est C'est bon, fou, clair. Là. En même temps, fou. moi, justement, je me suis mis avec ma mère parce que je suis comme, j'arrête pas de dire ma carrière, c'est un flop, genre, puis comme ça. Parce que je suis vraiment difficile sur c'est genre... un flop. Ouais, mais comme. C'est je je dans comme... un film de requin là. Non, je sais, mais comme. Je sais pas, c'est juste qu'il y a tellement eu c'est de même, tu sais, le cinéma, c'est qu'il y a des vagues où on va ouais. vraiment se concentrer sur quelqu'un, puis ça passe, puis ça revient, puis ça, tu sais, ouais. avec n'importe quel acteur. Tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a eu un gros hype après La voleuse de livres, puis tout le monde mm -hmm. est de fait comme. Sa carrière aux États-Unis est déclenchée, genre, ça a pas fait. Ça a le fait ça en quelque sorte, dans le sens que je suis extrêmement choyée, puis je réussis à faire un film américain, comme à peu près par année, là. Fait que, Ce qui est, c est, c est, est insane, énorme, ou... c'est que je suis tellement pas à plaindre, parce que je sais qu'il y a des millions d'acteurs qui essaient juste d'avoir un film par année, puis je tourne à peu près un film par année donc je, je peux tellement pas me plaindre mais comme tu sais ça a pas fait admettons euh, je sais pas ça a pas fait genre Chloe Grace Moretz que tu fais un film avec Steven Spielberg puis genre t'es rendu comme tu te fais payer ouais, des millions ouais. tu sais c'est comme ça a pas fait genre euh, une ascension ouais. progressive exactement ouais. c'est pas comme du jour au lendemain je fais des films à des millions puis je tourne avec les plus ouais, grands ouais. auteurs aux États-Unis tu sais ça va bien mais je suis pas encore vraiment je suis encore vraiment loin d'être où ce que je veux être ouais. Puis je suis comme rendu... C'était comme difficile parce que... Là, maintenant, je suis comme majeure, mais avant, c'est que je j'auditionnais souvent pour des rôles où que, quand t'as pas encore 18 ans, aux États-Unis, ils veulent des gens qui sont « legal 18 », qu ont, qui ont 18 ans parce que, justement, pour les normes de travail, ouais, t'as okay. pas à faire des devoirs, <laughs> t'as pas à avoir un tuteur, pas, ça leur coûte vraiment moins cher, puis tu peux travailler beaucoup plus d'heures. Um, fait que pour jouer des ados, ils prennent des filles de 18 ans qui ont l'argent. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Tout le temps. Fait que, que j'avais souvent pas ces rôles-là parce que j'avais pas encore 18 ans. puis là, maintenant que j'ai 18 ans, je suis comme dans un créneau. Ben, maintenant que j'ai 19, en fait, je suis comme dans un créneau où je compétitionne contre genre Shayleen Woodley, genre, puis Elle Fanning. Pis je mm -hmm. oh, tu sais, je fais des auditions, ben, pour ça, je vois que c'est eux qui l'ont eu. puis je suis comme, mais ouais, c'est ouais. sûr, genre, comme tu sais, comme. Tu sais, je suis contre des filles qui ont des nominations aux Oscars, tu sais. Ouais. comme, ça n'a aucun, aucun sens, là. Genre, je peux, peux pas compétitionner avec ça. puis dans le sens, je dis pas que ma compétition est pas grande. Euh, au Québec là parce que je, on a des actrices comme juste, ouais, incroyables, ouais. Là, ici là euh, mais c'est juste que veux, veux pas c'est vraiment plus petit au Québec tu sais puis on est à peu près peut-être une vingtaine de filles tandis qu'aux États-Unis tu sais on est 1000 c'est c'est pas la même affaire tu sais puis moi ça m'a choquée là, quand j'ai fait tu sais on dirait que l'industrie au Québec on est toute une petite gang puis pas on est toutes comme un peu amies même si on compétitionne l'une contre l'autre pas mm. on se connaît toutes puis on va vraiment être contentes pour les autres puis même quand je, je vais dans une audition, je connais souvent le réalisateur que j'ai ouais, soit travaillé avec ou, tu sais, croisé Fait que c'est vraiment comme amical puis comme calme quand tu rentres dans la salle d'audition puis tu passes un, un bon bout parce qu'il y a moins de fille à voir. Pis je me souviens, l'été dernier, je suis allée à Los Angeles pour un bout. Pis... Tu sais, ça, ça, ça doit les auditions. Ah oh non, mais ça n'a pas de sens. J j genre des si... blondes aux yeux bleus, il y en a 45 a... Ah non, qui sont là puis ils passent toutes. Ils sont tout J'avais je, je capoté parce que j'étais comme. J'étais rentrée c'est nous d'habitude à Montréal c'est comme on parle un peu du personnage ok ben essaye tu sais c'est vraiment chill mm. fait que là il me regarde puis en fait moi j'étais allée serrer la main ce que j'ai comme su par après qu'il fallait vraiment pas que je fasse que c'était ah, ouais. vraiment mal vu puis c'est moi étant comme québécoise fucking friendly ah, ouais, je suis hey, comme hey, ah enchanté, le gars il a fait genre <laughs> j'ai ah peut-être pas ok non fait que là il me regarde puis il est comme are you ready puis je suis comme euh, ouais puis comme to Do sit down ?» je suis comme non non je pensais qu'elle allait genre me parler de la scène fait que mm. comme ah oh, go comme ah oh, oui non attends je vais avoir besoin d'une chaise fait que là je m'assois puis là euh, je fais la scène puis il me dit aucune rien. correction rien fait alright next scene pis là j'étais tellement déstabilisée oh. par ça oh. que je suis comme ok <coughs> là je fais genre la deuxième scène je me trompe dans mon texte parce que je capotais comme à quel point c'était bizarre Pis là, je me trompe, je, dis, je recommence du début, il fait non, continue. Je suis comme ok, je finis la scène, puis il fait thank you. Juste ah ça, genre oh, thank man. you, next. Puis il y a une autre <laughs> fille qui rentre, genre une seconde après. Tu sais, c'est le même casting que toi, mettons. Ouais. ouais. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont tellement de filles qui n'ont pas le temps de faire des auditions ouais, ouais. de 40 minutes. Tu sais, c'est des auditions de 5-10 minutes. Ils en rentrent, puis après ça, ceux qui ont vraiment réussi à se démarquer, là, ils y rappellent. Mais il y a tellement de monde, fait que c'est tellement comme froid. Puis moi, ça m'a vraiment euh, choqué parce que vu que je fais toutes mes autres à Montréal, je ne savais pas que c'était comme ça ouais. jusqu'à temps que je rentre vraiment. Euh, ouais. J'imagine aussi que les gens, la compétition est plus féroce. Puis peut-être que là-bas, le monde est plus prêt à tout pour se rendre au top. Est-ce que tu euh, sens ça ou pas nécessairement? Ben, je connais pas tant euh, les filles qui sont là-bas ouais. là, assez pour comme savoir. Là. Mais c'est sûr que la plupart des filles là-bas. Euh, c'est le full package. Ils ont pris des cours de chant, ils ont pris des cours de diction, ouais. ils ont pris des cours de danse. Ils savent tout faire. Tu comprends? Ils sont préparés à tout. Tu sais, comme, c'est souvent aussi des. Mais ben pas nécessairement tous qui ont de l'argent, mais tu sais, s'ils ont besoin d'être brunes, ils vont quasiment aller se brunes la veille de l'audition. Ouais. Tu sais, comme, ils s'en foutent, là. Genre. <coughs> fait que, oui, mm. c'est sûr qu'ils sont un peu mieux préparés que moi, des fois, qui est comme mon petit, mon petit bagage. Genre. Ouais, ouais. Euh, ouais. Tu sais, on entend, on entend souvent que, mettons, à Hollywood, là, genre. Tout le monde qui travaille, mettons, dans un café, tout le monde qui a des jobs de vente, de commerce, c'est du monde qui, ont, qui font des auditions mais trois fois vrai. par semaine pour toutes. Oui, mais pas nécessairement partout, mais moi, il y a un, un café justement que, que je. soit comme membre du club là-bas, c'est comme à Malibu, puis ça arrive souvent que j'avais genre des meetings avec des réels ou des producteurs là-bas. Euh, c'est connu justement l'horaire de ces gens-là. Est, est basé fait sur les essais. Que... C'est tous des beaux gars qui travaillent là. T'arrives là, là, là c'est toutes des espèces de LA, <laughs> genre blonde, blue eyes, genre des beaux gars, genre. Puis qui sont toutes là en espérant d'avoir un, un rôle, que quelqu'un, un producteur, fasse comme un lui fit qui, qui l'engagent. Ah, mettons, il y aurait des, mettons des réals qui veulent aller prendre un café, ils vont prendre un café là pour spotter ouais, les serveurs. Ouais. <laughs> ouais, ouais, ils sont au ça. courant que les serveurs ouais. sont des acteurs aussi. Ouais. ouais. Fait que ce, 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 cette place-là est vraiment reconnue pour avoir des gens qui, c'est euh, mmh. des wannabe acteurs. c'est fou comment il y en a du monde qui veulent ouais. ce, ce spot-là, cette place-là. Ouais. Qu ceux qui sont au top, mmh. c'est tellement. je te demande mettons des filles comme euh, Emma Stone ou je sais mmh. pas là, tu sais les c'est tellement des surhumains, là. Je sais ouais. pas comment dire. Tu sais, ils son, sont beaux, ils sont bons, son... ils arrivent en entrevue, ils sont drôles, genre ils punchent. Ils sont comme. Ils ont tout, là. Tu dis comment tu fais pour devenir comme ça, tu mm. C'est vraiment hallucinant. Mais ce qui est plate, c'est que. aussi, des fois, c'est que c'est ça qui démonte. mais tu sais, c'est pas tout le temps. C'est tu ouais. regardes justement mm. toutes les, entre justement, les entrevues, avec un Jimmy Fallon ou comme ouais. le Ellen Show. C'est staged, c'est tout ce staged ouais. ouais, ils ont ouais. des questions d'avance, ils savent qu quoi répondre. C'est tout un truc de marketing, de publicité. Là. ils savent exactement ce qu'ils vont dire d'avance pour que ce soit drôle, pour ouais. faire rire, pour avoir l'air d'avoir une personnalité comme ça. Puis après, si t'es croisé en backstage, puis t'es comme, il était vraiment un truc, genre, vraiment <laughs> pas aise, là. Ouais, oh, ouais, y en a plein. quest qu'est-ce wow. qu que ça prend? mettons, la combinaison d'événements de, 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 slash talents slash, euh, je sais pas, apparence ou, ou euh, dédication pour, pour réussir, pour percer ça. Mmh. C'est quoi, ça... quoi l'addition de toutes ces affaires-là? Si tu, mettons, t'as tu une loc, t'as un rôle... Mais c'est juste euh, que ça, fait... ça joue, en... parce qu'il y a tellement de facteurs, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y, y a comme... As bien, ça prend un mix de tout, honnêtement. Tu peux pas être juste beau parce ouais. que si t'es vraiment tu sais il y en a qui sont beaux mais c'est parce que c'est ça c'est ça dépend à chaque cas tu sais il y en t'sais, a des acteurs qui sont beaux, euh, est ben, est serait juste beaux qui sont juste beaux mais autant qu'il y en a qui sont vraiment juste beaux puis qui sont mauvais comédiens pis qui sont tu sais il y en a plein là qu'on voit qui des gars leur carrière quand qui même, réussissent en, en faisant des films tant bon mais qui font quand ouais. même des millions les parce qu'ils sont Aquaman, beaux. Mettons, Mais tu genre tu sais les affaires de un. je sais il pas est... si c'est bon mais il est pas... <laughs> bon, tu bon je, je sais, sais pas, pas Mais, mais tu ça... c'est bon pas dans cal drogo dans Game of Thrones c'était bon Mais puis il y en a justement que sont, sont bons puis sont vraiment pas beaux mais tu ils pognent pareil parce qu'ils sont juste ouais. vraiment talentueux fait que c'est un mix de tout mais c'est vrai que maintenant ça fait un peu partie de la game justement d'aller en entrevue puis je trouve ça plate parce que Sais, je parlais souvent, mettons, euh, les Oscars, mettons. C'est dommage parce que c'est tellement plus un truc de talent. Il y a toute une ouais. campagne derrière mmh. ça. Il a, ah, tu payes ouais. des publicistes des, des, des centaines de, de, de mille, comme Il y a vraiment beaucoup d'argent qui va. C'est quand même ouais. comme une campagne d'élection. Ouais, ouais, c'est de, de la politique. C'est de la politique. C'est comme dans quel magazine tu as été, puis c'est toi qui payes pour être dans ce magazine-là. Ouais. C'est toute une équipe qui travaille derrière ça. Fait que c'est plate parce que c'est juste pas juste du talent. c'est ce que tu montes au public, c le public t'aime, tu sais, Jennifer Lawrence, les gens tripent dessus parce qu'elle est drôle, ouais. mais ça veut pas dire qu'en vrai elle est nécessairement comme ouais, ça. Ouais. Puis ouais. ça, c'est ça déplorable, je trouve les que les Oscars se soient rendus là, j'ai vraiment ouais. la difficulté à, à, à... tu sais ça reste le plus gros prix, qui... les plus gros prix qui sont donnés, mm -hmm. mais moi j'ai comme de moins en moins d'intérêt parce qu'à chaque année on dirait que c'est euh... C'est toujours euh, Tu sais, d'avance avec le sujet d'un film. Tu dis OK, là <laughs> ils ont attaqué un sujet qui est politiquement chaud. Ouais. Fait que mec, le want. film va avoir beaucoup de personnes vont en parler. Puis là, Spike Lee va aller faire un, un discours par rapport mm -hmm. Tu sais, par exemple. Ouais, ben il a pas gagné, par exemple? Non, non, est... Mais lui, c'était quoi? C'était pas. Euh... Lui, il, il était fruit parce qu'il n'a pas gagné. C'est le Green Book qui a gagné meilleur film. Mais puis... c'était ouais. où qui a fait son discours? Il a gagné, yeah. il a gagné quelque chose, je pense, il est monté, puis il a lu un truc là. Euh, on, on le sait pas là. Ok, on le sait pas. On va, on va, <laughs> peut, on va googler après ouais, le podcast. Au, mais, au Globe. mais ouais, c'est ça, c'est qu'ils utilisent, est qui, comme tendance, puis comme ah, euh, ils se sont ouais. fait à dire qui était comme pas raciste, mais comme il y avait pas assez de, de ouais. personnes culturelles aux Oscars, fait il y en a comme ajouté plein, puis c'est juste rendu ça, puis ouais. comme c'est vraiment plat que ce soit le même. C'est ouais. un, une grosse game. Une ouais, grosse mais en même temps, ça reste une belle soirée pour le cinéma. Oui, oui, ils font des beaux hommages aussi. Ouais. Mais j'imagine que, tu sais, aussi, le, le concept de l'Académie, c'est que c'est comme plein de monde de l'industrie qui check les films un peu chez eux. Puis, tu sais, je pense que c'est sûr que souvent, mettons, euh, les, ceux qui votent, ils n'ont même pas vu nécessairement les 10 films en nomination ouais. quand, de meilleurs films. Ils ont vu. Ouais. de monde ne tu... voit pas 10 films par année. C'est ça, ah ouais. tu sais. Puis, euh, tandis que, mettons, dans un festival où tu as un jury de monde. Euh, pertinent dans le cinéma qui s'assoit autour d'une table qui discute qui débattent pour trouver c'est quoi le meilleur film mm -hmm. qu'ils ont trouvé j'ai l'impression oui c'est un échantillon plus restreint mais moins la démarche c'est plus c'est clair qu'ils ont tous vu les films c'est clair qu'ils en ont discuté puis qu'ils ont choisi le meilleur film selon ouais. tout le monde qui, ouais. qui, est, qui est autour de la table ouais. c'est peut-être mieux comme façon de faire je sais pas Oui. non je suis d'accord toi euh, t'es là à Cannes oui cétait une expérience euh, surréelle euh, un peu. J'ai pas été comme. Moi, j'étais à Cannes, pas pour la, la grande compétition. Là. On était ouais. dans la quinzaine des réalisateurs. Là. Mm -hmm. euh, mais c'était. Ouais, vraiment, c'était le fun. Mais... On a comme eu un standing ovation, nous, quand on a présenté notre film. Puis c'était comme. Ouais, c'était un peu débile mental. Puis c'est juste vraiment amusant de faire toutes nos entrevues sur le bord de la mer. C'est ouais, comme un concept est fou, tellement hein? <laughs> comme. Ouais. Est pas dans une espèce de, de pièce de chambre. T'sais, toutes les, les entrevues, généralement, là, se font dans, dans des pièces de chambre d'hôtel. Ouais, ouais. Devant, tu vois le même cadre. Il fait chaud. Parce que là, tu sais. il y a un backdrop avec ta ouais, euh, ouais, ouais, c'est ça. Là, là on, ça se fait comme sur le bord de la mer. T'es comme dehors. Mm. Puis t'as comme toute la rue qui est bloquée. Fait que tout le monde se promène partout. Euh, c'est vraiment le fun, mais en même temps. Quand moi, moi, ce qui m'avait vraiment stressé, c'était que j'ai fait le, les marches là, ouais. justement. Mmh. Puis il <laughs> y a tellement de monde, c'est même plus regarder, Tu t'entends juste crier ton nom partout, Tu es comme ah ah. ah. Puis moi, je suis comme... tellement le genre de fille qui se plante tout le temps. Genre, <laughs> genre, je montais, tombe les... Tombe je tombe montais tombe genre tombe les 20 marches, pis j'étais comme... T'étais-tu en talon haut comme... Ouais, ouais. Puis j'étais comme, t'es capable, t'es capable, t'es capable. capable. Genre, réal, puis genre, je tenais le réel, puis j'étais comme... <laughs> j'étais tellement ses nerfs. Lui, après ça, il check son bras, il y a ouais, une marque il... de doigt. De de... De... <laughs> non, non, sais Excuse-moi, j'ai comme... Je vais, euh, vais peut-être me moucher. OK, ouais, okay c'est sera pas long. C'est juste que j'ai la, la grippe. Ce sera pas long. Il y a vraiment trouble. aucun problème. Mais me... ouais, le, le, le setup à Cannes est juste, moi je suis allé avec une coupe d'année parce que mon frère il est réalisateur, peut-être que tu okay. le connais, là, il s'appelle Pascal Plante, il fait un film. Okay, euh, ça me dit chose. en tout cas, il fait un film qui s'appelle Les tatouages. Une coupe d'année. Oui oui oui, ouais, oui je, je sais c'est quoi. Puis euh, en tout cas, il y a une coupe d'année, lui et son équipe, il y allaient parce qu'il y avait un film qui était dans les marchés là-bas Puis je t'allais avec les autres puis tu sais c'est deux jours avant à Cannes c'est comme commence à monter les trucs mais tu tu sens pas trop qu'il va avoir de quoi mm -hmm. puis comme ça part puis là genre mm -hmm. toutes les vedettes sont là puis genre c'est huge puis ouais. c'est gros puis tu sais dans un setup que tu sais c'est une des plus belles places au monde là tu sais ouais. le, le bord de la Méditerranée au sud de la France c'est comme ça mm -hmm. a juste pas de bon sang puis c'est beau puis la mer puis les ouais. montagnes, c'est incroyable. Mais moi j'avais juste trouvé ce plat que j'ai pas eu la chance d'aller voir aucun film par exemple ah parce ouais, que okay. tu sais quand tu es, es là pour ton film à toi, ouais. tu es tellement chargé avec <coughs> des entrevues puis tu ouais. pars ton film puis ça coûte cher fait que tu peux pas nécessairement rester là pendant une semaine juste pour le fun, tu sais ou que tu euh, as fait ce que tu avais à faire trois mois chez toi. Mm -hmm. euh, fait, fait que j'ai pas vu aucun film en fait quand je suis allée, mais c'est vraiment euh, c'est sûr que c'est de quoi vivre puis euh, mm. j'ai retourné n'importe quand ouais. si je pouvais là, ouais. Ouais je euh... pense que les requins vont, vont y aller <laughs> c'est ça, il y en a un qui est comme en arrière euh, penses-tu que en fait, est-ce que, est que tu as déjà est-ce que tu t'es déjà questionné par rapport au fait s'il si fallait que tu, tu déménages pour continuer à, à avancer dans ce milieu-là, dans ce, ouais. milieu ce domaine-là parce que j'imagine que ça doit être un, une, 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 un incitatif à ne pas te prendre pour les réalisateurs de dire, ouais, elle, faut la faire venir jusqu'ici, Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que c'est un, euh, un talk que j'ai constamment avec ma famille. Là. Ouais. Euh, ça fait comme trois ans qu'on en parle tout le temps. Euh, à la base, on voulait déménager, mais là, j'avais pas encore 17, j'avais pas encore 18. Fait que j'étais comme ouais. ça, sert à quoi si de toute façon, je vais pas me faire caster. Euh, Puis là, c'est ça, c'est un peu le struggle avec mon cégep. Que ma mère aimerait vraiment que je finisse mon cégep. Mm -hmm. Moi, on dirait, tu sais, c'est quand même gros. C'est que je veux déménager, mais est-ce que je veux déménager là tout seul? je trouve que c'est un peu intense c'est comme j'ai même pas <coughs> en appart seul en ce moment à Montréal ouais. fait que je suis comme mmh. c'est un gros step de échanger de pays puis en fait et en fait tout ouais, seul. le plus gros problème j'irai tu sais j'irai avec ma sœur et ma mère mais ma sœur elle a pas encore fini son secondaire donc ne sait pas si on veut la faire bouger puis le plus gros problème en fait c'est que moi si je déménage je perds euh, mes, mes genre mes avantages canadiens là. dans le sens j'ai plus d'assurance ci j'ai mmh. plus de fait que ça a tout le temps été ça puis je peux pas juste y aller six mois puis je peux en ce moment, c'est ça, c'est que je peux pas y aller plus que six mois par année sans mmh. perdre ça. Ouais. ça fait il, y a des il y a des grosses démarches à faire, des démarches de... Il faut que j'aille chercher genre un green card, il faut que j'aille chercher des, des, une carte de travail. Mmh. Il y a des grosses démarches à faire. Ça fait que C'est ça qu'on qu regarde en ce moment parce que moi, je suis un peu dans un point de vue de... Euh, le CGEP, oui, c'est important, puis oui, je veux le faire. Mais en même temps, ce que j'explique, c'est que je suis en train de faire un deck en cinéma. Pour aller pour en cinéma. cinéma. Puis là, pourquoi je fais point? Fait fait pourquoi je fais pas cinéma. juste déménager là-bas puis le faire? Euh... Alors que tu as, as déjà un step d'avance sur main du monde. C'est mais... ça. Fait que pourquoi attendre d'aller chercher un deck qui va pas m'amener en nulle part? Parce que, anyway, ça a tout le temps été mon plan après mon deck d'aller aux États-Unis avant d'aller à l'université. Pourquoi je fais pas juste y aller là? Ou est-ce que je finis mon deck avant? Fait que je, 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 je suis en, dans le processus en ce moment d'en parler. J'essaie de voir avec les gens, j'essaie de voir comment je peux faire. Euh, parce que ça, pour pour euh, parce que je suis un monde, ça me stresse de bouger là tout seul ouais. là pour l'instant je pense que ce que je vais faire euh, je vais tourner dans deux séries là, euh, bientôt je vais tourner dans les euh, je, sais pas si on <laughs> je vais tourner <laughs> dans ça quelque, quelque fait, chose <rire> 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 je vais tourner non. dans ouais non je, pense pas, en parle. Que je vais tourner dans quelque chose puis euh, je pense qu'ils refont demain des hommes euh, la version anglaise qu'on devrait comme débuter euh, ça devrait se faire fait que je me suis dit, je vais faire ma, ma prochaine session. Je pense que je vais la faire vraiment. Puis, il y a comme le pilot season qu'on appelle aux États-Unis, qui est comme en janvier, février, mars, qui est comme le trois mois où ils castent pour qui toutes les séries. Tout le monde tourne un pilot de leur, de leur série. Ouais, Là-dedans, il y en a 10 ouais. qui sont, qui ouais, sont fait consignés. que c'est comme, tu as des auditions back-à-back. -back, en ouais. as comme trois, quatre par semaine. Là. Fait que c'est comme, je me suis dit, ce que je ferais, c'est que j'irais peut-être un trois mois. Pendant cette période-là. Puis période si je book de quoi, tant mieux, je vais booker, je vais tourner, puis je resterai là, Puis mm -hmm. ouais. sinon, ben, je, je reviendrai <coughs> finir ma dernière session, ou comme les quatre cours qui vont manquer, puis après ça, ça devrait se timer avec ma soeur qui finit l'école, ouais, ouais, puis on va, le... on va aller là-bas. Mais tu sais, c'est un gros move. C'est décision. Un... C'est comme s'en aller de mes amis au complet, puis. Ouais, fait que si le, le pour et les contre de qu'est-ce qui, -ce qui ouais. ça équivaut à quoi qu'est-ce que ça vaut que, ouais. tout ça parce qu'idéalement moi Los Angeles c'est pas un endroit qui euh, m'allume pour euh, oh, vivre c'est okay. comme oh, ouais. la Californie oui là, parce que je trouve ça ouais. beau le Los climat Angeles, tout ça... mais comme on dirait c est, c est que c'est trop focusé sur l'industrie j'ai l'impression que c'est ils ont une autre mentalité vraiment là. Ouais. à chaque fois que je tourne avec des filles de là c'est un autre mindset, puis comme juste la façon dont l'argent, puis c'est comme leurs priorités sont vraiment pas les mêmes. Mm. Puis, euh, fait j'ai tout le temps voulu comme être située un peu, d'avoir, mettons, là, dans l'idéal des mondes, là, mm. avoir comme ma maison à Montréal, puis ma maison euh, en Californie, ouais. pour avoir comme la Californie parce que c'est le fun hiver, puisque ouais. moi, je suis pas fan de la neige. Ouais. Mais on dirait que c'est tellement plus groundé, Montréal, Et puis tu sais, c'est la seule place. Euh, quand t'es, je pense, extrêmement connu. Tu sais, même Céline Dion disait qu'elle pouvait marcher sans nécessairement se faire courir après, tu sais, ouais. c'est à Montréal, je pense que c'est une des seules places dans le monde que tu as comme cette espèce de le monde pelle. sont respectueux, ouais, quand sont même super respectueux. Mais... Dans ce cas, Los Angeles, tu deviens tellement rapidement comme un objet, puis comme tout le monde te court après, que j'ai pas envie, moi, de vivre ce stress-là, de ne pas pouvoir sortir de chez nous, puis d'avoir quelqu'un qui de planter devant chez moi, c'est ridicule. je mmh, ouais. pense que c'est L'idéal de deux mondes, ce serait d'avoir un pied euh, dans les deux, ce serait jamais de comme. Ça serait d'aller à Los Angeles pour être capable de me faire un nom, puis d'être ouais. capable de, comme Arvus, ce que je veux être. Une fois que je suis là, jouer un peu avec les deux, mm -hmm. puis quand j'en ai besoin, avoir ma place mm -hmm. à moi. Ça, il suffit d'un gros rôle, puis tu vas être de t'acheter une maison. Hein? <laughs> mais c'est ouais, vraiment le même. Il suffit, <laughs> c'est C'est pour ça que des fois, c'est un peu de la chance. Est, il suffit que ton truc pogne, puis il y, y a tellement de films qui se font, ça, ça se pourrait qu'il pogne, puis tu ne peux pas le savoir d'avance. Ouais. J'en ai lu des bons scénarios, puis je suis embarquée dans le projet. Puis finalement, ça, juste, ça a pas pogné comme un scénario qui peut avoir l'air de rien. Finalement, c'est comme la prochaine grosse affaire. Ouais, puis... c'est ça. Hein? Parce que toi, quand tu tournes, tu ne sais pas, dans le fond, le produit fini. Est-ce que ça t'est arrivé de, sans nommer de nom, mettons, ouais. de voir le film puis être déçu? Ah, tout le temps. Ah, ouais, tout vrai. le ah, <laughs> tout sans temps. Sans <laughs> nommer de <laughs> nom, <rire> fait que disons <Ouais>. tous <laughs> les films <laughs> que j'ai fait. Tu que <laughs> ben, <laughs> toi, tu es là, tu fais de ton mieux, mais après ça, il y a tellement d'autres étapes. Le, ouais. Toute la réalisation, le montage, euh, toute la les, les post-production, ça ouais. change le film. Là, puis... Mais c'est pour ça que quand je dis tantôt que comme j'ai l'impression que ma carrière c'est un flop c'est pas que c'est un flop mais c'est comme je parle à ma mère puis comme la, la voleuse de livres ça a tellement été gros internationalement ouais, ouais. ça a été avec Fox qui est comme le, un des plus grands studios puis après ça j'ai tout fait genre des films indépendants qui ont pas tant pogné tu comme ouais. oui c'était à la Cannes, euh, le Mean Dreams mais tu sais ça n'a pas tant pogné c'est pour ça que je dis que depuis la voleuse de livres oui, je tournais aux, aux États-Unis, mais tu sais, je fais pas des films qui ont aucune nomination en ouais, nulle part. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis un peu à ma mère que c'est un flop. Mais c'est pas un flop. <laughs> mais euh, mais c'est ça. Oui, ça arrivé vraiment que j'ai eu des rôles où que, admettons, je pensais que mon personnage allait être incroyable. Puis j'avais l'air d'une fille qui était comme badass. Mm -hmm. Puis que finalement, tu arrives sur le jour du tournage, puis tu es comme, ouais, mais finalement, on le fait pour un public de 12 ans, donc on va enlever toutes les fois où que tu sacs. Puis ah, euh, <coughs> tout ce que tu vas proposer qui est comme un peu trop méchant, on va le couper. Fait que c'est ça, c'est que ça dépend. Tu oui, ça prend un bon acteur, mais comme. C'est pour ça que moi, je pense que tout le monde sur un plateau de tournage est égal, parce que honnêtement, il suffit qu'une personne soit pas bonne dans ce qu'elle fait, que ça impacte le film au complet, que ce ouais. soit en éclairage, en montage, en son. Tout impacte le film. Donc, il n'y a personne qui est mmh. meilleur qu'un autre sur un plateau de tournage. Puis, c'est ça, ça arrive que tu tournes avec un réal pas tant bon, puis que ça, ça scrappe un film de même. Tu bien beau être bon. C'est fou comment, en montage. Même si t'es ouais. incroyable comme acteur, la façon dont ils va le monter, ouais. t'es comme, hein, ah, attends, t'as pris une réplique de comme la troisième tête qui est pas pareille à celle pas que j'ai faite dans la première. Fait que là, j'ai l'air de mal jouer parce que mes <coughs> répliques sont pas pareilles. Puis t'as enlevé tous les silences que je donnais, ouais. ce qui fait que là, on dirait que genre, je chante mes lignes. Comme un vlog, là. Ouais, vrai. <laughs> Des jump cuts, là. <rire> <rire> uh -uh. <rire> ouais, fait que, fait que c'est ça, ça. Ça arrive, la majorité. Euh, mais je pense que c'est un peu pour pas mal tout le monde. Il ouais, n'y a, a personne qui fait que chacun de ses rôles c'est un hit, le genre, tu regardes les meilleurs mm -hmm. acteurs, tu regardes Johnny Depp, il en a fait des films qui étaient comme hey. « ah oui, mais <coughs> On se demande pourquoi il l'a fait, fait plus mais, mais on se demande pourquoi il l'a fait, puis sûrement que quand il l'a regardé, il a pas fait comme « Hey, c'est un film de merde je vais m'en marquer dedans. » Il a sûrement oh, vu du potentiel, puis ça. ça a donné que ça, ça a pas fonctionné. Mais... Puis tu sais, même des grands acteurs, probablement quand qui écoute les films qu'ils ont fait, même si, mettons, nous autres, on écoute ça on trouve ça bon, peut-être qu'ils disent Genre j'ai bien de pas bonne là, ah ou oui, pourquoi ils clair. ont pris cette tête ouais. ou tout ça, tu sais. Mais nous en tant que. tu penses pas qu'il y a aucun acteur qui est capable de se regarder puis fait. Mais ben c'est ah, ça. Ah j'étais bon, oh, vois, vraiment là, j'étais ouais. bon. Tu vois plein d'affaires que nous autres on voit pas aussi. Ouais, 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 moi. Puis c'est tellement bizarre parce que tu l'as tourné, fait que tu tu perçois pas les scènes de, de la même façon puis t'es comme. Moi, je me, à chaque fois, que je regarde une scène. Je me souviens pas, je me souviens de comme tout ce qui était derrière ça. Puis je me souviens que sur telle réplique, je pensais à telle affaire. Ouais. Fait que, mm. on, 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 peut, on peut pas le voir d'une façon euh, subjective. Mm objectif ouais. objectif ouais. <laughs> le dernier qui est sorti là c'est un film d'action ouais avec euh, la fille qui joue dans Millennium le ouais. Numi, comment s'appelle Rapace Rapachi, ouais. je sais pas comment le dire encore moi non plus pour on n'a eu personne j'ai <laughs> pas un composant moi pas réussi moi non plus euh, ouais. oui puis ça c'est ça c'est comment mettons la, la différence entre jouer un, un film d'action puis jouer un film plus, euh, plus près des sentiments pour toi comment tu l'approches différemment euh, ben je dirais que comme un film, ben en fait ce film-là était quand même près de mes sentiments parce que justement il y avait beaucoup de scènes que, que je paniquais beaucoup, mais ce que j'ai trouvé drôle dans ce film-là c'est que, ben pas nécessairement drôle, mais c'est que je me, je me retrouvais souvent comme paniquée un peu euh, pour vrai parce que les, les gars qui faisaient les, comme les kidnappeurs, ouais. je les connaissais pas tant, puis ça on a ah, tout ouais. tourné ça au, au Maroc. Puis c'était des, c'était des Marocains que je connaissais pas. Je suis pas. en train de me faire kidnapper pour mais vrai. Mais si, mais comme <laughs> honnêtement, tu sais, non, mais il faisait un peu peur pour vrai. Puis il parlait pas tant anglais. Fait il commençait à me pogner vraiment fort. Puis ça avait l'air réaliste, mais moi j'étais comme. Ah, J'ai je... pas eu le moment avant de faire des jokes avec et que ça devienne ton chum non, là, ton pas, ami. Là. Non, on a comme pas ah, eu c'est ce... ah, ouais. ce, ce... On n'a pas. Ouais. Tu sais, comme il y en est... a. Ouais. Il y en a un qui était vraiment fin qui, lui, justement, il venait de Londres, mais il y en a, il y en a une coupe que, justement, je... je les connaissais pas tant. Fait que ça m'a comme. Puis, un... puis c'est ça. Puis on faisait toutes les scènes un peu euh, pour vrai parce que moi, c'était pas tant des scènes répétées. Tu sais, comme elle nous mis elle, justement. Elle avait plus des scènes de, de fight, tandis que moi, c'était surtout de l'autodéfense. Mm -hmm. vraiment... Il n'y avait pas vraiment de pratique pour ouais. ça. C'était vraiment juste défends-toi. On va ça... ouais. t'attaquer, toi défends-toi. C'est pas ouais. du acting, c'est juste <laughs> ouais. Fait que, 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 que c'était ah <laughs> vraiment, j'essayais de me débattre, puis j'avais des vraies menottes, puis j'avais mal aux poignets, puis... Ah ouais. ouais, ouais mais je me moune un peu à la base, le fait que... Elle me disait, elle avait comme, elle se faisait puncher, puis elle disait rien. Moi, j'avais genre des bleus autour des poignets, puis j'étais comme, si je prends de la glace. Mais non, fait que ça faisait comme, des fois, ça avait peur pour vrai, justement, sais... Il y en a qui sont vraiment comme dans leur personnage. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de method, mais il y en a qui sont. On appelle ça ouais. les méthodes acteurs, qui viennent vraiment dans leur personnage. Puis entre les tailles, qui restent dans leur ouais, personnage. qui était puis... un peu creep, genre entre ouais, les tailles, ouais, puis ouais. j'étais comme, alright, <laughs> je suis pas à l'aise. Um, mais mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Um, je le referais 100%. Ouais. Mais c'est ça. Moi, c'était comme proche de mes sentiments quand même, vu que c'était ouais. comme l'autodéfense, puis je me sentais comme pas tant mien. J'étais pas dans mon, dans mon pays. J'étais pas dans c'était un peu différent l'équipe aussi venait du Maroc ça, on tournait dans des, en, dans des endroits vraiment trash là tu euh, c'est pour ça souvent quand les gens me demandent est-ce que j'ai mis le Maroc ma réponse est non parce que j'ai juste vu les endroits super trash de, ouais. de, du Maroc tu sais on tournait dans des espèces de souks sales où que moi j'avais pas j'avais pas de sandales je courais mm. dans de la piste littéralement genre j'avais <laughs> comme des, des, des trucs de piste il y avait genre des des gens qui avaient des scolioses à côté j'en avais des gens qui avaient comme plus de jambes partout puis j'étais comme mm trop genre c'est je voyais ça tous les jours pendant trois semaines l'équipe l'équipe complète de tournage avec la caméra mais, mais c'est plus tu te sens mal parce que toi aussi ouais. eux nous on a de la bouffe eux ils en ont pas puis t'es comme <laughs> puis, puis on bouffe, eux, ils ont pas, puis comme... <laughs> puis, puis on pas le droit d'avoir accès au catering mais là, non mais c'est vrai c'est pour les acteurs ils ont juste trop ah non je me sentais tellement mal tu sais comme c'est bon ah non mais c'est c'est bon parce que ça, ça, ça te ça, 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 ça te remet à ta place un peu C'est pas Montréal puis aller mettons là. non c'est ça ça te remet à ta place puis t'es comme je me suis dit, après, je, comme, okay, je suis vraiment, vraiment choyée d'avoir ouais. la vie que j'ai. Mm. Mais en même temps, quand ça fait trois semaines que tu vois ça, c'est comme j'ai compris, puis ça devient juste vraiment lourd. Là. Mm. Fait que moi, c'est ça. J'ai pas. Euh, ça, euh, ouais. Je suis très bien sur ma robe, <laughs> Puis là, il y a le film des raquins qui va sortir, puis il y en a un autre qui s'appelle The Rest of Us, c'est ça? Oui. Puis ouais. ça, c'est quoi ce film-là? Euh, ça, c'est un film que j'ai tourné euh, euh, l'été, comme à peu près un an. OK. Puis, euh, c'est l'histoire de quatre filles... ben quatre femmes, dans le fond. qui euh, ben, moi, il y a que moi, ma mère. Puis, mon père a divorcé ma mère. Puis, il est allé se faire comme une nouvelle famille avec cette... Puis, euh, il y a une crise cardiaque, je pense. Je ne me souviens pas comment il meurt. Je pense qu'ils l'ont changé. Je ne me souviens plus. En tout cas, meurt. Dès début du du de du film, moins, le début, c'est moi. pas un ouais. <laughs> <laughs> Il meurt. Puis, euh, cette deuxième famille-là se rend compte que, dans le fond, le, le père était, il était broke. Puis, il se retrouve en dette. Puis, ils se font comme saisir la maison. Mm. Fait que moi, ma mère comme se sent mal, puis les invite à venir rester chez nous. Fait que c'est comme quatre, c'est comme deux familles qui se détestent un peu, puis quatre femmes qui s'aiment pas nécessairement. Genre, c'est comme des relations familiales, mais en même temps, ils sont comme tous liés par le deuil de cet homme-là. Fait que c'est comment ils vivent séparément, mais ensemble avec ça. Fait que c'est comme, c'est vraiment une C'est pas, c'est pas un genre C'est cool, la première c'est cool, par exemple. Ouais. Fait c'est vraiment, tu c'est lent, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment juste. La réalité de comme des quatre femmes qui font face à, à mm. ce deuil-là, puis comment ils réagissent ensemble euh, par rapport à ça. Ça, ça a été tourné où Ça a été tourné à North Bay. Euh, ouais, North Bay, dans le nord du Canada. Il y a beaucoup de choses qui se font faire, en fait, dans le nord du Canada. Dans parce le nord que... du Canada Ouais, j'ai tourné un truc à North Bay. J'avais tout. Dream, justement, qui était à Cannes. Ça a été tourné à Sault-Sainte-Marie. Dans, dans les fins fonds de mm. il y a, non, il y a pas <laughs> j'étais content de... De euh, hein. ah non c'est pas la... je me tiens il y avait tellement pour quelqu'un qui aime pas la neige comme toi c'est le fun non il faisait il faisait froid <laughs> puis de deux j'ai comme il y avait tellement personne à chaque fois je me tiens les fins de semaine je recroisais le même... genre j'allais à l'épicerie puis je recroisais genre quatre personnes genre Mais du plateau ouais. tournage genre tout le temps tu sais c'est tellement petit honnêtement je pense que je pouvais marcher la petite ville au grand complet ouais. genre une journée vous avez là. doublé la population de la ville ah, en euh... vrai ouais, ouais honnêtement 100% ça. là vraiment ouais. Je me souviens, quand je revenais à Montréal, je prenais le métro pis j'étais comme, waouh, les gens sont beaux. Genre, je tripais j'étais comme, oh, puis je regardais tout le monde je j'étais assis, tu sais, comme, je pas, là, dans ma vie de tous les jours, prendre le métro puis là, j'étais assis, genre, puis je faisais comme toute la ligne orange pis j'étais comme, wow, waouh, <laughs> la ville. La euh, ville. Mais, mais malgré que, comme, il y, y a des paysages vraiment extraordinaires, ouais, là, euh, écoute-moi, quand j'ai tourné à North Bay, mais comme, je pense que ça a été un des tournages les plus faciles. Le tournage le plus facile à la vie parce que, je, dans le fond, mon personnage, c'est une fille qui s'entend pas super bien avec sa mère. Hmm. Fait que, que c'était vraiment facile <laughs> à juste jouer Mais tu sais, c'était comme, comme un peu la relation que j'ai avec ma mère. <laughs> on s'en voyait souvent chier en niaisant un peu. Oh, ouais. Puis, euh, il faisait tellement beau. Puis, comme les gens étaient juste. C'est fou comment l'équipe de tournage fait vraiment, vraiment un impact sur comme, le déroulement euh, du film. Là. C c honnêtement c'était comme j'avais l'impression qu'on était une gang dans un chalet genre pendant okay. un mois qu'on s'est ouais. dit hey on va tourner des trucs en side là. fait est que que quand on tournait pas on était tous sur le, sur le bord d'une piscine à comme se faire bronzer sur l'heure de lunch puis c'était vraiment c'est cool vraiment le fun puis là je faire justement j'ai pas encore vu là mais j'étais faire du ADR là, parce qu'après il faut qu'on refasse genre ouais. euh, des voiles un peu ouais. Puis euh, ça a l'air euh, beau, euh, ce que j'ai vu. Fait que tout le monde sur le plateau était là genre « Hey, Donbain, méthode acting, là !» Elle envoie chez sa mère <laughs> ouais, entre, les, entre ouais. les scènes. Les... <laughs> tu l'appelles juste... au téléphone, ouais. tu l'envoyais quelqu'un <laughs> Si quelqu'un était comme « pas fini avec ta marche !» comme « Non, c'est pour, pour le personnage, c'est 100% !» Ça met les... dans, le, dans le mindset. Ouais ça met dans le mindset. <laughs> ouais. euh, j'ai une question pour toi. Mettons que tu regardes tous les rôles, pas les rôles que tu as fait, mais les, les rôles euh, en général, mm -hmm. hein, les personnages au fil du temps, quels qu sont, mettons, ton top 3 des rôles que tu aurais voulu faire euh... ouais, C'est euh, un personnage de gars, en fait, mais c'est le... Le gars qui avait joué... Ben c'est En fait, c'est... Quoi son nom? Euh, Leonardo DiCaprio. Caprio ouais. Qui avait joué... Euh... Ouais. Il n'est pas très connu. <laughs> non, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait indie, La plage, entre <rire> autres. <rire> euh, mais qui avait joué dans un... Je ne me souviens plus du titre, mais genre Gilbert Grape, ouais, ouais, machin. Euh, 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 oui, Johnny de... Depp. Là. ouais puis qui jouait un handicapé. What's, là. what's Eating? What's uh, Going On? Mais en tout euh, cas, en Gilbert cas, Grape. Ouais. Gilbert Grape, là. Ouais. <laughs> il jouait un jeune handicapé oui, mental. ouais puis... Honnêtement, je comprends même pas pourquoi il y a rien gagné pour ça là ouais, genre, à il la avait base gagné comme... un Oscar, je pense. Mais pourquoi ouais. genre, il y genre gagné? il est juste il trop bon il était jeune comme et hey, jeune Oscar même, même. Mm. En vrai je... on dirait que ça me fait vraiment remettre en question pourquoi je suis dans le cinéma quand je vois <laughs> genre une performance aussi bonne à cet âge-là je ouais. suis comme ça a pas de sens fait que ça c'est vraiment comme quelque débit, chose ça. qui m'avait marqué. What's eating Gilbert? Did? Ouais. Ça ça avait marqué que ouais j'aurais aimé avoir une... un truc de même je pense un que rôle comme ça? ouais ça euh, ou comme il y a comme trois trucs soit un il y a comme trois rôles j'ai comme pas de de, de spécifiques, spécifique mais soit ça un, justement un truc d'un handicapé soit un espèce de film d'action genre vraiment action comme euh, Avengers ou un ah, affaire ouais, vraiment okay. que comme il faut que je me prépare physiquement mmh. pour Il uh. faut que je fasse comme un training de un an puis qui ait genre des grosses tonnes ouais ouais c'est ça ça me tenterait quand même en même temps ça me mettrait en forme c'est comme non honnêtement je suis juste dense d'avoir un entraîneur privé puis je comme je vais juste faire un rôle qui va me forcer à me mettre en forme ça me donner une raison entraîneur privé ouais nourrissez qui va suivre ouais je serais dense nourrissez-moi ou sinon une comédie parce que j'ai jamais fait de comédie puis ça me fait un peu peur parce que tout le monde est comme ah ça devrait genre tellement être le fun puis drôle mais c'est quand même. C'est difficile. C'est c'est dur. C'est tellement difficile. Avoir oh, un bon timing ouais. comique. Puis, euh, parce ah, que j'ai l'impression que, comme, jouer des rôles dramatiques, pour moi, c'est pas facile, mais dans le sens je sais où puiser, puis je sais qu'est-ce qui va me faire pleurer, puis je sais comment le faire. Mais faire une comédie, on dirait que je sais pas si je serais drôle. On dirait que ça me sortirait de ma, ma, ma zone de confort parce que je suis un peu quelqu'un qui a peur du ridicule, puis qui a peur mmh. de me faire juger. Fait que j'ai l'impression que essayer de faire rire les gens, ça me ça me pousserait à faire des affaires que je ferais pas nécessairement puis ouais je, je serais curieuse de faire euh, une comédie j'ai fait des parents là mais ouais. c'est comme pas vraiment une, une, une comédie ouais. comme... ouais. j'ai l'impression que ça doit être difficile puis c'est comme vraiment une question de timing puis comment tu places tes blagues réaction faciale, pis puis ça ouais. je l'ai jamais fait. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Quel, quel genre de comédie, mettons, d'une screwball complètement, ou est-ce que c'est juste loufoque un fait ou... avec Will Ferrell. Ouais, ah. <laughs> ouais, c'est ce genre de, de oh, truc-là. ouais, là, ouais. ouais way, Je serais vraiment dans, ouais, un genre de... Ouais, de quoi de drôle? Il faut vraiment ouais. que ce soit drôle mm. pour que ce soit drôle. Will Ferrell, apparemment, sur un plateau de tournage, son objectif à chaque take... Lui, c'est de l'impro qu'il fait pratiquement. Là, ah. il, a, il a son scénario, mais lui, il vient, il vient d'un domaine de l'impro. Mm -hmm. Son but à chaque take, c'est de faire rire la, son autre acteur. Pla... Ok, ok, ok. Ouais, c'est de difficile. faire casser son autre acteur. <laughs> C'était Mark Wahlberg qui parlait de ça. Il disait C'est le show le plus tough que j'ai eu à faire clair. parce que <laughs> c'est le gars le plus drôle que j'ai rencontré Mais c'est sûr. Ma vie. <laughs> genre, moi, ça, ça me fait capoter à quel point ils sont capables de rester sérieux. Ah, ouais, ça a pas de sens. Alors, moi, je me sais <laughs> juste des fois, sur les parents. Comme une fois que t'as un fou rire là, ah, hein, moi ça me prend genre 45 <laughs> minutes là à être comme d'être capable de me calmer fait que je me le demande le plateau est là, là... il t'a un peu là là. Euh... Ouais parce que <laughs> au début c'est drôle mais ouais. eux mais comme honnêtement quand t'as un fou t'as un fou rire, rire puis c'est vraiment dur à ah, faire ben partir oui, sûrement, là. Hein? Puis moi, ça m'arrive même quand dans le. Tu des... sais que la, la ligne, elle revient, là. Ah ouais. <laughs> fait que là, genre, deux secondes avant la ligne, tu sais que ça l'arrive, puis tu te ouais. mets à, à rire avant qu'il ait même dit, parce que c'est comme, ouais. un, un, ça, ça ça se déclenche tout seul. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresserait, puis je pense que je trouverais ça extrêmement difficile de pas rire. Ouais. D'avoir quelqu'un qui me fait des faces de même, là, puis de rester <laughs> puis de regarder, puis comme, tu sais, quand il y en a une qui est drôle, pis là, de genre, fâché, gond, il faut qu'elle regarde avec un regard vraiment sérieux. Ouais. Pas, ah, ça ouais. va être vraiment difficile. Hein, ouais. <laughs> <laughs> Moi, juste, genre, il n'y a pas grand chose qui me fait plus rire que je... les bloopers ah, de films de Will Ferrell ou, ou les films de Jim oui. Carrey, mettons-le. Ouais. Ah, c'est <laughs> tellement drôle. Quand il rajoute tout le temps des lignes après, ouais. justement, ça, c'est quelque chose qu'on on, m'incite tout le temps à faire. Puis que justement, comme j'ai peur du ridicule, j'ose jamais ajouter des lignes après. Ou... Je, 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 je m'y je tiens tout le temps vraiment au texte, dans le sens que je m'approprie le texte à ma façon, ouais. mais je ne vais jamais, comme, rajouter des lignes à la fin parce que je suis comme. J'aurais tellement peur de dire quelque chose, puis que ce soit Comment comme un pense... méga malaise, euh... pis que les gens comme. <laughs> tu peux-tu pas faire cette réponse-là à la fin? Ouais. Comme... Excuse-moi, c'est excuse juste... vraiment une mauvaise proposition. je suis désolé. Le L'idéal qui fait. Ouais. Ouais, peux-tu pas refaire ça? Ouais, si non! c'est ça. Genre... Genre... Oh, mon cœur oui, quand... enfin, est brisé en mille C'est parce que tu sais, c'est comme. C'est toi qui offres cette proposition-là, puis là, il y a comme euh... si un méga silence <laughs> sur le plateau, pis t'es comme. Ouais, okay, c'est ouais. pas ma mère! Je savais pas qu'il laissait une liberté à la fin des scènes pour dire, essayez de quoi? Ben, euh, ben souvent, il laisse comme un 3-4 secondes de plus pour, comme, garder l'acteur dans l'émotion, ouais, genre, puis ouais. voir. puis y en a justement qui décident de, comme, rajouter des lignes. Euh, mais, ça, mais ça dépend des réels aussi. Il y en a qui sont extrêmement comme. strict sur Ouais, moi j'ai travaillé avec un euh, réalisateur, puis c'était tellement pas le fun parce qu'il était tellement. C'est lui qui avait écrit le scénario, fait que tu sais, il tenait. Ouais. Mais tu sais, maintenant, j'avais des, des gros paragraphes, puis maintenant je faisais une énumération de comme, de fruits. Là. Je pense pas que je disais ça, mais je faisais une énumération, puis mettons je disais de dire banane avant pomme. Puis dans le texte c'était pomme avant banane, il me pète une coche. J'ai ah, comme mais monsieur ch... genre comprenez-vous que comme j'ai genre des mots et des mots à apprendre ?» puis que... fait que, tu sais des fois c'est too much puis c'est plate un peu quand tu justement pas cette liberté là puis qui te force à comme rentrer dans une version des choses que tu veux pas faire mm. puis qu'après ça les gens justement c'est pas le même que tu, tu aurais aimé jouer mais tu sais ça tu le sais pas avant de commencer le tournage tu sais c'est fait que là, tu te fais comme un peu bâché Après, tu sais, je me suis dit, je m'étais fait bâcher pour des affaires sur mon jeu, puis j'étais comme... Je le sais, genre, c'est pas bon. C'est pas moi qui voulais non. ça, mais j'avais pas le choix de le faire de même. Genre, ils m'envoyaient chier sinon, <laughs> puis comme... Ouais. La scène où est-ce qu'elle énumère les fruits... Là... Honnêtement... Il aurait vraiment fallu qu'elle dise pas mal. Pour vrai, là... Ça aurait été tellement meilleur. <laughs> ouais. La suite de ces fruits a vraiment pas fonctionné. <laughs> ouais. J'imagine que quand le, quand le Real écrit, est, il est encore plus piqui, peut-être, sur... Euh, Je pense que... Ouais. Ça dépend. Je pense que, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Ou ça dépend juste du Real. Ouais. ouais. Ouais, ça l'arrive. Mais j ai, j ai... honnêtement, j'ai eu quand même des bonnes... La plupart des réalisateurs des avec qui j'ai tourné sont, sont vraiment fins. J'ai... Il y en a vraiment des, des fous là, de, de, dans ce monde. Puis j ai, j ai, je pense qu'il y a un réalisateur. Puis ça a... Moi, il n'y moi, avait pas été comme avec moi Mais je tournais avec un enfant de comme. Je pense qu'il avait 8 ans, le, le petit gars. Puis il était pas capable de pleurer. Puis le Real, pour qu'il se mette à pleurer, il commençait à se mettre derrière la caméra. Il commençait à l'envoyer chier, genre. Il était comme. Yeah, yeah. You suck, you're a fucking bad actor. Puis j'étais comme, oh my god, le kid, oh, il y a huit ans. Non, 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 le non. kid s'est juste mis à pleurer. Puis comme, je regardais le monsieur Ali puis j'étais comme, man. Sais, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Puis comme il y comprends. en a, là, vraiment, des râles qui, qui Tu peux qui pas, tout le temps, euh, Tu peux pas faire ça. Même non. si c'est pour l'art, puis c'est ouais, pour euh, arriver pas, à quelque chose, tu peux pas traiter d'autres du moins comme ça. Mais non. Tu sais, ce petit gars-là, il est brisé. Là. Ah, vraiment? <laughs> ben, sérieux? Il revient pas de ça. Ben, j'espère pas lui qu'il va, qu va se reconstruire, mais sa confiance ouais. est à terre. Tu sais, quand t'es petit de même, t'as pas le... Puis même moi, à ce jour, moi, j'ai vraiment de la misère à... à... Autant que comme je suis quelqu'un qui a un bon caractère, autant que j'ai un peu de la misère à stand-up pour comme moi-même. Mm. Puis je me suis justement, j'avais fait un, un tournage où comme Le Real avait commencé à, 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 à me crier dessus parce qu'il voulait que je sois plus fâchée. Mais au lieu de juste venir me voir faire comme Hey, tu peux-tu faire plus fâché? Il a commencé à crier, genre, puis j'étais comme j'ai crié par-dessus lignes, mais il était comme Louder, louder !» j'étais comme Ah genre, puis moi ça, ça m'aide pas du ah, tout. Ouais. Là, c'est vraiment pas une façon parce que moi, ça fait juste commencer à me à me stresser puis c'est pas moi qui va arrêter le tournage puis va faire comme hey, t'as vraiment pas d'affaire à me parler comme ça tu j'ai pas ouais. encore la force de faire ça puis celle qui tournait avec moi justement elle elle l'avait fait parce qu'il avait commencé à l'envoyer chier puis elle a fait elle a, elle a arrêté en plein milieu puis elle a regardé puis elle a fait plus jamais tu me parles de même puis elle a juste quitté genre pendant une demi-heure le plateau puis après ça il a arrêté de crier mais tu sais il y en a qui y en a des réels puis tant qu'ils vont pas remettre à sa place ouais. ils vont le ouais. faire puis moi je vais juste me laisser prendre ça puis ça m'aide pas parce que ça me, fait juste, ça, moi, ça, me, ça me fait juste me rendre vraiment anxieuse, puis ça l'aide aucunement. Mmh, là. Ben oui. puis c'est tellement pas nécessaire parce que, comme la, le meilleur exemple, c'est sur le dernier film avec les requins, on a, on a tourné des affaires qui sont incroyablement difficiles à faire. Il y a pas. Je pense que c'est le premier plateau qu'il n'y a pas une fois que personne s'en allé. Il y a tout le temps des, un mmh. peu des, des chicanes à cause ouais. de. On, on est dans le rush, on est. peu importe. puis on a, fait, on a rentré dans toutes nos journées, on a fait ce qu'on avait à faire, puis ça fait juste mettre une meilleure ambiance. Puis ouais, juste ça prouve qu'on qu peut arriver à la même affaire sans avoir cette attitude-là. Ça va juste faire que ça va être une plus belle expérience. C'est tellement pas nécessaire mmh. d'avoir une attitude Vraiment. de merde. Tu sais, la direction d'acteur, c'est tellement de la psychologie, j'ai ouais. l'impression. Puis tu sais, il faut que tu connaisses tes acteurs. Puis peut-être que pour certaines personnes, il y a des approches qui vont aller mieux, mais sais, c'est vraiment mal connaître, vraiment, mettons, mal te connaître, j'imagine, de penser qu'en te criant après, tu vas faire une meilleure performance. C'est vraiment non. pas être un bon psychologue. Là, non, c'est pas être un bon réalisateur. C'est un bon ouais. parallèle à faire avec les entraîneurs de sport. Oui, ouais. Ah, 100%. Ah ouais. Tu faisais-tu crier ouais. après, toi, quand t'étais petite fille euh, euh, en gymnastique? Je pense que, c'est sûr, une ou deux fois, là, ça m'est sûrement arrivé, là, justement, que comme mes coachs se fâchaient parce que j'étais pas capable de faire ce qu'ils me demandaient de faire, mais tu sais, justement un coach qui connaît vraiment bien son athlète, le voit quand qu il est épuisé, puis il va juste faire comme OK, check, il fait comme fais-le une fois de moins ou garde. Tu puis des fois justement, il voit là, quand tu pas capable puis que tu sais, je pense qu'il se fâche souvent quand il voit que tu pas puis comme que tu abandonnes, mais quand il voit que tu essaies puis mm -hmm. tu es juste brûlé, souvent ils vont se calmer puis justement moi je me souviens quand je me faisais engueuler par mes coachs. Je... Ah, j'étais vraiment pas bien, pis ça, ça, ça t'aide pas à performer, là, ouais. aucunement, là. Moi, <laughs> si je me faisais envoyer chez par mon coach, j'étais pas comme euh, Ah, ok, euh, ouais, c'est vrai, je vais mieux le faire, Je me force ouais. tout le temps, Ouais. Si je suis pas capable de cette journée, c'est parce que je suis pas capable, là. Fait que je me suis ça me venait de me rendre plus stressée. Fait que là, je devenais plus anxieuse, puis je tombais juste plus, comme ton, des trucs à la poutre, Je J'étais juste plus tombée parce que j'étais mm -hmm. comme tellement ses nerfs que je tremblais, ah, euh, oui. Ouais, mais ça m'est arrivé, ça m'arrivait aussi beaucoup parce que. Euh, Ouais, je me suis en fait, ouais, maintenant que tu me. Je dis non, mais maintenant je réalise, je me suis. Ouais. Il y a une fois, euh, je m'étais fait mal à la cheville. Puis, il y a beaucoup de filles, justement, que quand ils ont mal, vont être comme, vont endurer, puis vont rien dire. Puis, et hey, je me souviens, j'avais une fille qui s'entraînait avec moi, elle avait un centimètre, en... sa cheville était cassée, genre, mais de un centimètre, puis elle continuait, genre, à s'entraîner, puis j'étais comme, mais genre, faut que t'arrêtes. Puis, moi, vu que je suis momoun, puis que je supporte mal le ouais. mal, aussitôt que j'avais mal, tu sais, je le disais. Fait que mes coachs, j'aimais pas trop ça parce ouais. que ça faisait qu'après ça, j'étais forcée à aller voir euh, un médecin. Puis ça faisait que j'arrêtais de m'entraîner. Ouais, ouais. Fait qu'à un moment donné, justement, comme il m'avait dit, euh, si tu t'entraînes pas aujourd'hui, euh, tu compétitionnes pas. Puis j'étais tellement à bout. Puis j'ai fait comme, parfait, man. OK. okay. <laughs> Puis il disait, comme, you come back here. Puis j'avais juste continué de marcher. Je me souviens, il avait pogné un tremplin. Puis il l'avait pitché. Oh, Puis ouais. euh, j'ai changé de j'ai changé de club pas longtemps après. Oh, C'était ouais. pas, pas à Gymnix, mais j'avais changé de club pas longtemps après. Ouais, des histoires comme ça, ça on, on en entend souvent. Pour vrai, c est, c est, c est, dans le sport, ça arrive euh, les, tous les jours, les enfants ouais, comme ça. Vraiment, ouais. C'est un espèce de rapport de pouvoir vraiment bizarre là, ouais. de l'entraîneur. Pis... Mais en tout cas, ça, ça peut aller pire que ça. Là, dernièrement, avec justement euh, euh, toutes les histoires des entraîneurs de l'équipe nationale de ski alpin, je pense, oh, là, ouais, les, les agressions et tout. Là, ah oui, mais ben, il y a eu un gym aussi. une ouais, Nassar qui aussi. a euh, abusé, je pense, de ouais. 150 filles. C'est un, un ou... vraiment une espèce de, de rapport de pouvoir qui est, qui est juste dégueulasse puis qui devient malsain à plein niveau. Il y a vraiment un travail euh, de, de à faire au niveau des parents, juste pour, juste pour que les, les je, Juste pour euh, faire rendre compte aux parents que le coach a pas raison tout le temps, 100% ouais. du temps. Ouais. puis que d'utiliser ton sens critique pour. pour, pour, pour checker ce que tes enfants font, dans le fond. Mm -hmm. hein, Faut pas que tu donnes ton enfant à 100 à une personne que tu connais pas tant que seule, ouais. ça. Oui. Puis ça, ça arrive aussi, aussi dans les parents qui, comme, vivent leurs leur rêves à travers ouais, leurs, leurs enfants. T'sais, moi, ma mère, autant dans la gymnastique... Val aux Olympiques. Et... Mais c'est ça, tu sais, ouais. quand j'ai dit d'arrêter, même si elle avait fait tellement de sacrifices pour moi pour me faire réussir dans ce sport-là, ouais. la seconde que j'ai dit que je voulais plus en faire, ouais. elle l'a accepté, puis elle a fait « OK ». Puis même, tu sais, dans, dans le cinéma... La seconde que je dis que je veux arrêter, au contraire, même si elle, elle, voit, elle dit jamais je te vois que tu deviens, que tu as ça. la tête enflée ou que comme tu deviens plus respectueuse envers les autres ou que tu commences à comme te la croire, elle dit Moi, elle dit, je m'en fous. Là. Elle dit Je te sors du milieu, là. Ben, ouais. dans le sens qu'elle n'aura pas le. C'est pas mm -hmm. elle qui a le, le contrôle sur, <coughs> sur, sur, sur mon toi, travail, ouais. mais comme. Elle, 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 elle s'en fout. Là. C ouais. Son but, c'est pas que je que gagne un Oscar c'est que je sois comme un bon humain avant tout. Ouais. Puis ça, ça paraît parce qu'après ça, justement, elle va pas me pousser, elle va pas être sur le plateau en train de comme aller gosser tout le monde. Puis de. Puis justement, ça fait que comme elle a une distanciation dans le sens qu'elle va pas prendre à la lettre tout ce que les réals ou tout ce que mes coachs ouais, tu sais, disaient. Tu elle a un point de vue un peu plus objectif. Objectif. <laughs> mais c'est ouais. ça, mais tu sais, il y a tout le temps deux affaires là-dedans. Puis de l'autre côté, tu veux pas non plus. Hum. Tu sais, mettons, il y a des histoires de. D'enseignants, mettons, que, qui, qui font juste mettons intervenir dans une situation, puis là, les parents sont ouais, tout le ouais, temps jamais contents de ouais. comment. Que, à Mané, il faut aussi être critique, mais Faire la et, part tu sais, des choses. Là. Faire la part des choses aussi, de, 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 avoir confiance, parce que tu sais, des bons coachs ou des bons enseignants ou des bons réels, il y, a, y a ouais. en a. La, probablement la majorité, dans le fond, là, mm -hmm. mais il y en a aussi qui, <coughs> qui, vont, qui vont abuser de leur pouvoir, qui vont faire des affaires qu'ils euh, ne devraient pas. Mais ceci dit, tu sais, faut, il faut vraiment que les parents continuent de. D'inscrire leurs enfants à, mais oui, bah. à un sport malgré ça, oui, parce que oui. toutes les, les toutes... coachs, c'est tout des agresseurs. Non, 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 mais tu sais, pareil, ça peut être une réflexion qui te passe à oui, la tête oui. quand ouais. tu vois dans les nouvelles, c'est ça, mais le sport, ça, ça t'apprend tellement de leçons de vie. Ah. Tu sais, probablement que toi, ouais. ce que ouais. ton expérience à la gym, ça te sert à tous les ah, jours, probablement ouais. Vraiment, cinéma. Pour, pour le cinéma, ça m'a énormément aidé. Puis c'est si souvent une question qu'on me pose, c'est justement, tu sais, euh, juste pour mon, mon espèce de sens aérospatial, tu sais, de faire une, une ouais. routine à la poutre puis d'être concentré sur comme un 10 cm de matériel pendant qu'il y a comme une fille qui court dans le gym, pendant qu'il y, y a une musique super forte parce qu'il y a une fille qui fait une routine ouais. au sol parce qu'il y a des ballons qui se lancent c'est tu sais, proche de toi là il faut que tu sois concentré à genre tourner dans les airs puis atterrir sur une poutre il faut mm. tellement que tu sois capable de focusser sur une affaire malgré tout ce qui se passe à alentour à, à, à de toi. C'est la même affaire mm. sur un plateau, un plateau de tournage. Il faut que tu sois concentré sur une scène pendant que tu as comme 40 personnes qui te fixent. Il <laughs> y a, a quelqu'un qui se parle, puis c'est comme ouais. tout le monde, tu sais, quand la, la cam a recule, puis tout le monde qui commence à bouger. Il y a tellement de choses qui se passent à l'entour. toi, il ouais. faut que tu restes focusé ou juste, mettons, sur le fait de, de répéter des scènes ouais. beaucoup de fois. Le nombre de <laughs> fois que j'ai répété les mêmes routines de gym, c'est cette espèce de... De persévérance-là, puis d'organisation aussi de mon horaire. Tu sais, moi, depuis que je suis en troisième année, comme j'ai dit, je suis en sport-études, donc ouais. je suis habituée de jumeler l'école à ça, puis de savoir qu'il faut que j'aille finir telle affaire, puis d'être vraiment organisée. Puis c'est la même affaire dans le cinéma, quand tu un mmh. horaire super chargé, il faut que tu apprennes à. Dis la fille qu'il n'y a pas d'horaire chargé en ce moment, <laughs> mais t'as changé de, de Netflix, son... c'est Telle quel son... é... quelle émission que j'écoute en premier <laughs> Est-ce Est que je mange à midi ou à une heure il <laughs> y, y a vraiment beaucoup de débats à avoir. <laughs> <Bon. Ouais. rire> hey, tantôt tu parlais de séries télé, puis ouais. euh, ça nous amène à une question. On a des questions de nos auditeurs. Ah, quand cool. on a dit qu'on te recevait, euh, on a euh, on a demandé s'il y avait des questions. Mm -hmm. Puis euh, c'est cool. Thierry Osborne qui nous demande parce que tu nous parlais que tu allais tourner dans les séries télé euh, prochainement. Ouais. Crois-tu qu'il est plus facile de rendre un hommage, euh, de, de rendre un personnage de film mémorable comparé à un personnage de série télé, étant donné le format général d'un film? Fait que tu une histoire complète, as une histoire mm -hmm. segmentée. Puis la sous-question, c'est lequel des deux préfères-tu jouer? Euh, Je pense, pense pas que c'est, il y en a un qui, qui est mieux que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment du personnage que tu peux jouer dans les deux. Euh, c'est sûr que ce qui est le fun dans les séries télé, c'est. Des fois, tu as plus de temps pour élaborer ouais. le personnage, euh, dépendamment encore de tu sais, si tu fais une série à long terme. Euh, moi Dépendamment de ton rôle aussi. Oui, c'est ça. Dépendamment, dépendamment de ton rôle. Euh, mais c'est sûr qu'en même temps, on dirait que quand tu écoutes un film, ça t'arrive tout one shot, puis c'est comme à la fin, tu es un peu plus. Ça, ça, ça te met plus. Euh, Je sais pas, ça t'accote un mur, puis tu es comme. Ah, pis c'est beaucoup d'informations en même temps. Un tu peu... vois toute la progression, ouais. en one shot. j'ai l'impression que c'est plus facile d'être comme ébloui par ça, tandis qu'une série, tu sais, c'est bon, puis tu comme Ah, il était super bon, mais ça coupe, puis là, ça revient la semaine prochaine. Ouais. Fait on dirait que comme par segment, je trouve que c'est un peu plus euh, difficile, peut-être, de comme voir euh, l'ensemble de, de, de la, la courbe d'un ouais. ouais, personnage. Exactement. Ouais. Puis moi, euh, généralement, je pense que j'aime mieux, jou mieux jouer dans des films parce que de un je trouve que ça étiquette moins dans le sens que ouais, moi, ouais, moi ouais. pourquoi pourquoi à la base j ai, j ai, quand j'étais plus jeune je faisais jamais de séries c'est parce que j'avais pas envie d'être étiquetée à mettons a sûrement été proposé plusieurs fois euh, ouais. ouais une couple de ouais. fois puis c'est aussi à cause que un je voulais pas vraiment être à une série pour faire comme ah c'est elle qui joue dans ça puis on la connaît pour ce personnage là puis après ça je trouve c'est dur de sortir ouais. de ça ouais. euh, mais maintenant ce qui est le fun justement c'est qu'ils font beaucoup de trucs de mettons une saison genre ça, c'est le fun, c'est ça que moi je préfère faire. Justement des une saison, comme ton Le Monstre ou ouais. euh, Peu importe, justement, que c'est à peu près la longueur d'un film, puis après ça, t'es pas attaché à ça. Tu, tu reviens pas, t'as pas de... Dans ce que des séries, ça, ça bloque pour un, un bon ouais. bout de temps, T'sais, des ouais. fois c'est comme des... des un, pendant un an. Là, tu peux pas prendre rien en de Fait que c'est ça que moi je trouve généralement difficile avec mm. des séries, c'est que tu peux pas prendre autre chose c'est que j'ai on dirait que je sais pas j'aime tellement ça avoir de quoi de, de nouveau dans ma vie tout le temps j'aime pas trop ce qui est, ce qui est routinier euh, fait j'ai l'impression que si je fais un film je l'ai fait c'est fini je passe à autre chose j'y pense même plus tu ouais. j'en fais un après l'autre puis celui que j'ai fait c'est derrière moi tandis qu'une série qui dure cinq ans ouais. euh, c'est peut-être juste parce que j'en ai pas fait aussi que je sais pas c'est quoi avoir ce, comme ce lien d'appartenance là mais, ouais, on dirait que je sais pas. J'aime ça avoir une nouvelle équipe, j'aime ça former des nouveaux liens, puis j'aime ça que. Fait qu à date, j'ai plus fait, je fais beaucoup plus de films que j pense j'ai juste fait une, deux séries à peu près dans mm ma -hmm. vie. Là. Ouais. La... La... La, la formule mini-série, là, <coughs> moi, je, moi, je ouais. crois que c'est le futur, J'adore ouais. ça. C'est exactement ouais. ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ce nouveau format-là. <laughs> de courtes séries, mettons, de 8-10 épisodes ouais. de 40 minutes ou à une heure, ouais. qui est comme un long film de genre 5-6 heures, mais ouais. fragmenté, puis ouais. que c'est une saison, puis que j'ai l'impression que ben, ça doit être tourné aussi en un bloc comme un ouais. film plutôt que, mettons, ouais. à chaque semaine si tu rentres euh, puncher. puis Souvent, tu peux jouer aussi avec la, avec, euh, la temporalité. Tu sais, mettons, t'as ouais. des flashbacks qui, qui, que tu peux tout tourner dans un bloc, fait que ça fait que les flashbacks sont super raccords, ouais. ça fait que tu peux Jouer avec tout ça. Puis ces mmh. séries-là qui drop mmh. aussi en, en, en One en shot block, sur, mettons, sur Netflix, puis tout ça. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme le, le nouveau format, nouveau médium qui devient vraiment hot. Ouais. Puis tu sais, peut-être aussi, je sais pas si tout le sens de même, mais peut-être jadis, mettons, il y avait peut-être plus une hiérarchie d'acteurs de, de cinéma, là, de TV, ouais, un, plus d'acteurs de télé. même. Mais c'est putain de même. Non, mais, ça. Pis, maintenant, tu as des séries comme Big Little Lies, que tu as ouais. Nicole Kidman, puis ouais. toutes les plus grandes actrices dans ouais. la même série. Puis qui puis les, tu sais mettons les gens consomment plus. Tu sais mm -hmm. mettons combien de fois sur Netflix, euh, sur Facebook je, je vois du monde, mes amis écrire euh, quelle série vous écoutez ouais. sur Netflix. Tu sais ouais. les, les gens écrivent plus quel film qui est vont ouais. sur Netflix. C'est vraiment rendu. La... C'est vrai que ça a vraiment changé. Puis je pense que c'est justement ouais. à cause de ouais. ces genres de mini séries là ouais. que c'était pas des quotidiennes qui se tournent ouais. vite. Puis c'est. C'est ça, c'est. C'est qualité film, C'est qualité film, exactement. Si tu regardes aussi. Big Little Lies, c'est. Ouais. C'est hein, c'est. canadien, comment je l'ai dit, ouais. Big Little Lies. Mais Little c'était C'est vraiment qualité film. C'est ouais. Jean-Marie Vallée, je ouais, pense, ouais. Que, qui a fait ça. Puis, euh, justement, t'sais, tu, sais, tu sais que pas, ça n'a pas été une quotidienne que tu es rentrée, que tu as fait une fois comme dans 30 Vies où tu as, t as pu faire. T'as euh, tu droit à deux tu sais. Ça l'a pris beaucoup de temps, mais ça l'a pris le temps que ça prend à tourner un film. c'est pour ça que c'est bon. Puis. Avant, c'est vrai que c'était ça, là. ceux qui faisaient les films faisaient les films puis les séries, ouais, séries ouais. mais maintenant ça merge un Même peu les ensemble. Réals, les réels changent. Les réels de... font, font les ouais. deux aussi. C'est pour ça que je pense que c'est le fun parce que moi j'aime ça. Mais j'aime ça justement ce format-là de, de comme huit ouais. épisodes. Je trouve que c'est parfait puis que justement il y, y a beaucoup de séries aussi qui n'en font pas une deuxième saison parce qu'ils n'en ressentent pas genre le besoin. Ouais, ouais. Juste pour plaire aux auditeurs, ils sont comme mais moi c'est ça que j'avais à offrir puis ouais. ça va être ça puis ça va en rester à ça peu importe ce que les gens veulent. Par la suite, ouais. mm -hmm. Big Little Lies est-ce que j'ai rêvé qu'il faisait une deuxième saison? Oui, il en enfin, une deuxième. Mais c'est pas. -ce pas euh, Jean-Marc Jean fait. Fait. Mais je pense que il participe quand même, ouais. d'une certaine c façon. Du c'est une réalisatrice, ouais. c'est. Quel film qu'elle a fait? Je me souviens plus. Mm. Mais c'est une bonne réalisatrice, là. Ouais. Parce que ça, c'était de la bombe. je l'avais écouté one shot dans l'avion qui se rendait jusqu'à Bali. Ouais. ils avaient fait tout. Ils avaient fait mon vol Montréal d'Oha j'avais écouté ça moi. Ben, j'avais écouté forcément c'était celle qui fait the rest <coughs> of us dans le fond c'est sa, sa blonde ah marc Valley? ouais cool c'est ça, ça que j'ai vraiment hâte de voir avec mon film parce que tu sais vu que son proche, tu sais elle elle apprend évidemment beaucoup je pense que c'est comme son premier film qu'elle a fait là, the rest of okay. us ça okay. pourrait qu'il la regardé avant que ce soit final ben je pense je pense ben, là j'sais pas j'ai droit de dire ça mais ben, bon. <laughs> je pense qu'il... Comme il participe un peu, je pense okay. qu'il donne des, des tips puis euh, il l'aide un peu dans le, dans le montage. Je pense ouais. pas que c'est lui qui monte le film, mais t'sais, elle, elle s'inspire de lui. Je sais notamment dans, dans la façon qu'on a tourné, Big Little Lies a été tourné sans aucune euh, lumière artificielle. fait que c'est oh, toutes ouais. des lumières du jour. Ça faisait en sorte il euh, y a comme un concept que tu peux tourner la caméra genre 180 degrés, ce qui est comme une règle un peu non écrite, que tu peux pas tant faire ça. C'est comme... Euh, c'est comme tout le temps du. parce que il a comme y a de, un... du gear ou du monde ouais, de la, la ça. caméra. Parce que là, lui, il pouvait vraiment avoir la liberté. Je pense que c'est surtout ce qu tourné à l'épaule. Puis vu qu'il a personne autour, c'est comme il mmh. peut se déplacer quand qu il veut. Fait qu'il n'y a comme plus de règles. Fait que c'est vraiment comme ça aussi que nous, on a tourné The Rest of Us. C'est qu'il n'y avait aucune lumière, même la nuit. Là, même si c'était un tournage de nuit, ouais. c'est d'habitude dans des énormes lumières qui viennent ouais. éclairer. Non, nous, c'était comme la lumière de nos téléphones. Toutes les lumières, c'était des lumières. Mettons une lumière de, de lampe de chevet. Euh, ça ah, faisait justement en sorte que. Ça explique ça. Maintenant que tu dis ça, euh, dans Big Little Lies, la, la scène finale où est-ce qu'ils sont comme dans un dans un party le soir, puis qu'il y a plein de lumières chinoises partout, puis que l'éclairage est vraiment, c'est vraiment esthétique, c'est vraiment beau. Probablement que c'est lié à ça. Ouais ouais. C'est vraiment tout. Il y a plein de lumières ouais. est ouais. là. Ouais, ouais. euh, ouais. lumière, là, t'es ouais, C'est vrai. ouais. vraiment c'est cool. C est, c est ouais. bon, ça devait être trippant faire ça. Oui. Ben, c'est le fun parce que pour nous, tu nous, on, ce qu'on aime en, en tant qu'acteur, c'est jouer, c'est pas l'attente on the side où t'attends qu'il monte l'éclairage. Les, les, les ouais, ouais. Fait que ça faisait en sorte <laughs> ce que... que. Ce que j'aime vraiment, c'est j'aime c'est notes, manger ouais. des carottes avec des petits C'est genre, scroll so so sur Netflix pendant que, comme, il <laughs> y a les techniciens, c'est pendant. Refresher euh... mon feed, Facebook, pas En fait, Mais non, justement, fait que c'est le fun parce que. On pouvait tourner, on, tu tournes beaucoup plus rapidement parce que, aussitôt que comme, tu finis une scène, on fait juste changer. Puis on, batterie, on change. Il n'y a pas d'autres, de, 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 c'est un peu des fois pour monter la caméra, mais il ouais. n'y a pas de setup de comment okay, on met l'éclairage. Puis euh, fait on a tourné, tu sais, la moyenne, je dirais, pour un film, c'est six semaines à peu près de tournage. Puis nous, on l'a fait en quatre pour la même pour la même ça longueur va être, de film. Ça va être léger, ça va être euh, plus fun. Là. Puis on a rentré, ouais, c'est On a rentré dans toutes nos journées, puis c'est comme on, on roulait constamment fait que t'as pas le temps de t'emmerder t'es comme tout le temps dans l'action fait que, que c'est vraiment le fun fait que j'ai vraiment de quoi euh, voir de quoi ça ah. avoir l'air mais en même aussi. temps des fois l'éclairage ça peut te rendre vraiment belle fait que ça se peut que comme j'ai l'air <laughs> malade ai 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 malade ou vraiment fatiguée tout le long <laughs> zéro beauty shot, mais, là, ouais c'est ça. Ça. ça je pense pas que ça va être esthétiquement euh, ouais. le film où je vais être le plus cute mettons <laughs> mais ça va être le film euh, le plus réaliste ouais. euh, peut-être c'est cool je sais que Stanley Kubrick pour euh, le film Barry Lyndon, il n'y avait aucun éclairage comme ça. Ouais. Puis, c'était des scènes d'intérieur éclairées à la chandelle. Oui, je puis, pense que je l'ai vu dans mon cours de euh, cinéma. Puis, euh, il, il fallait qu'ils prennent des objectifs de la NASA pour être capable d'avoir propre... assez de lumière qui rentre dans la voiture. La lumière ouais, ouais, <laughs> ouais, ouais. Je l'ai vu ça dans mon cours de cinéma, oh, justement. Il ouais. ouais. fallait ça. construire ouais. ses propres euh, lentilles. Ouais, c'est ça. Ça n'a juste aucun sens. À quel point tu es là Ça devrait être des lentilles plutôt. Dispendieux. Oui. Avoir, euh, appelle la NASA. Là. Ça about the way? low budget euh, movie, mettons. Non. non c'est malade. Non. <laughs> fait que là, t'as-tu des tournages qui s'en viennent? Euh, ben là, j'ai les deux séries euh, ouais, les que deux je faisais tantôt. Là, que, ouais. euh... Demain des hommes, c'est la série d'hockey. Ouais. ouais. La série d'hockey qui, qui a été vraiment le fun à faire. Play leur fond en anglais. Je ne sais pas si c'est tout le même cast. Là. Moi, euh, j'ai trouvé ça drôle. Ils m'ont fait venir auditionner et étaient comme on veut vraiment tester ton anglais. Enfin, mais me semble que tu t'as tu t'as euh, pas <laughs> la télévision chez vous <laughs> <laughs> j'étais comme elle, je pense que ça se trouve sur YouTube un peu le mec. Ouais, ouais. Ah, ok je sais pas mais y a un film qui vient de dropper sur Netflix c'est ouais. -ce <laughs> <l 'écouté? rire> <laughs> <laughs> si vraiment tu te demandes là tu parles ouais, j'étais comme limite appelle-moi genre au téléphone ouais. mais c'est vraiment comme l'audition c'était un peu comme ils m'ont posé des questions en anglais puis j'étais comme appelé mon téléphone. Tu vois que tu connaissais, là, tu sais. Non, mais même le réel, quand je suis rentrée, il était comme, ouais, il dit, je suis désolée, c'est une formalité. Je sais, <laughs> même lui, il était comme ça, un peu con. Mais, mais vrai, que je, je sais pas si c'est qui du cast original qui va rester dans la, la version anglaise. Là. Okay. Puis là, je, comme, je parle de ça comme si c'était sûr qu'on tournait. Moi, c'est comme, j'ai comme, je me suis fait dire qu'il y avait probablement des chances qu'on le fasse. Là. Ça, je veux pas que okay. ce pas sûr à 100 mais okay. fait que ça puis euh, euh, je vais faire une autre série que mais que tu sinon... peux pas divulguer ouais, pour l'instant c'est que j'ai à moitié divulgué <laughs> tantôt ouais. euh, mais ça fait que sinon euh, ça puis à moins c'est je, je sais pas euh, des fois ça, je me fais dire je pourrais avoir un rôle demain matin tu commences à envoyer dans le en en fond tes auditions sont ouais, à la maison t'envoies ça puis exact jessie ma blonde a fait elle avait un self tape à faire pour une pièce de théâtre puis on l'a fait on était en conférence à Shkutimi puis on avait genre une chambre d'hôtel euh, pour la conférence là, pis là okay. fallait que moi je donne la réplique je vais pensais à ça parce que t'entends on en parlait uh -huh. fallait que moi je donne la réplique puis je savais vraiment pas comment me positionner uh -huh. j'étais comme derrière la cam suis ok est-ce que je fais juste lire uh -huh. là fallait comme qu'elle se fâche après mon personnage puis uh -huh. uh -huh. ouais. là c'était la pire situation parce que genre elle me criait après puis j'étais dans la chambre d'hôtel et j'étais comme ah, j'ai pas envie de lever le ton ici, j'ai juste envie de lire ce qui est marqué là, mais en même temps, elle me disait, donne-moi un peu quelque chose là, tu sais. Il fallait comme que j'acte. C'est quoi la norme? Est-ce que la personne qui donne la réplique. Elle joue d'habitude ou elle fait euh, l'italienne qu'on appelle C'est quand tu ouais. qu parles plus Mais d'habitude, il euh, ils jouent. Là, comme... ouais, 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 ouais. Mais d'habitude, tu sais, même toi, à Montréal. Euh... Je vais revenir ça. la prochaine fois, fois. <laughs> Faut que tu y donnes. Tu mais tu sais, je pense que. Ouais, mais je sais. Je sais sur des self moi, j'ai. Ouais, mais ça dépend. Il y en a qui, justement, engagent. Je pense que le meilleur, c'est de jouer. Le... C'est sûr que le meilleur, ce serait de, de le faire avec quelqu'un qui c est capable de jouer. Qui est capable de jouer. Qui n'est pas mon cas. Ouais, moi, c'est juste que ma mère, quand elle sait de jouer, ça ne fonctionne pas. Donc, j'aime mieux qu'elle qu ne joue pas. Euh, mais je pense que le, le mieux, c'est de jouer quand wow. même. Puis, souvent, moi, j'étais allée euh, à TIFF, euh, qui le, le festival de Toronto, euh, une coupe d'années. Puis, j'étais comme euh, le TIFF Rising Star, genre. Puis, pour ça, j'étais obligée de suivre des cours, euh, des genres de cours qu'on m'a expliqué tu sais, à quel point c'est rendu plate. Genre, on avait un cours sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. En quoi que les réseaux <laughs> sociaux, maintenant, ça aide ouais. à comme... Puis c'est vrai, parce que des fois, fois là, genre, pour vrai, qu'on qu soit acteur, qu'on se fasse donner des cours sur comment ouais. augmenter nos réseaux sociaux pour comme avoir plus de rôles, parce que maintenant, le film, des fois, va caster des gens qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils savent qu'en marketing, ça ouais. va aller chercher un plus grand audience qui va leur faire ouais. plus d'argent. Ça en est triste. Là. Pour vrai, là, quand comme, tu te fais caster par ton, par, pour ton nombre d'abonnés, mm. Bref, ça, ça m'avait vraiment déçu Mais j'avais aussi un cours justement sur euh, comment faire des self-tapes. Puis euh, il disait justement comment comme cadrer et tout. Puis il disait que c'était important la personne avec qui qu on lisait. Mm. Comme quoi, que souvent, quand la personne est poche, c'est déconcentrant. Mm. J'ai fait, maman, c'est ta ah. faute. <laughs> c'est pour ça que j'ai pas mes rôles. Parce que, que tu Ouais, j'ai dit, déconcentre les gens. <laughs> mais non, mais quoi, je pense que c'est bon que tu essaies de, ouais, de jouer un peu. Ouais, Ou sinon il Sinon, un peu engagé. Moi, des fois, il euh, y a des gens aussi que tu peux engager là, pour justement, des fois, quand j'ai des vraiment grosses auditions, euh, je connais un genre d'acteur qui. Euh, ouais. chez, qui je aller chez lui, puis un setup, puis il va le faire chez moi. c'est mm. mm. un peu mieux. Là, que... Tu nous disais ouais. tantôt que euh, tu avais écouté notre podcast avec euh, Catherine Brunel. Là. Oui. Puis euh, ce que tu parlais tantôt, là, justement, le, le fait de être un acteur, mais d'avoir des abonnés, peut-être ouais. une personnalité, ça, ça pouvait aider puis tout ça. Puis mmh. tu sais, on, on a, on a parlé de, 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 de ce sujet-là. Elle la trouve ça, ben, comme toi, assez déplorable là, mettons. Ouais. Pis, mais toi, est-ce que, t'as es tu utilisé des trucs là, t'as es, es essayé d'embarquer là-dedans, t'as dit fuck off ou c'est quoi, comment tu gères ça Mais moi à la base, euh, c'est ça. Moi j'aime Instagram dans le sens que j'ai toujours aimé euh, prendre des photos puis en fait ouais. moi j'aime organiser genre mes photos pour lesquelles que ouais. je mets en prochain puis avoir un espèce de thème qui un se ressemble je trouve ça le fun tu sais quand j'ai rien à faire je prends le métro j'aime ça comme mettre des filtres genre c'est toujours mm -hmm. quelque chose qui j'ai trouvé le fun um, mais c'est sûr que j'ai jamais été quelqu'un qui a regardé mon nombre d'abonnés puis qui a essayé d'avoir le plus d'abonnés possible puis qui va comme tu sais j'interacte aucune j'interacte pas beaucoup avec mon auditoire tu je commande pas leurs photos t'sais, souvent on, on me dit faudrait peut-être que genre, tu répondes à leurs commentaires puis ah. pour essayer de comme tu je genre je suis dans... pas influenceur je comme... fais un peu de publicité sur le mes réseaux sociaux. parce que je <coughs> suis comme honnêtement tant qu'à avoir l'opportunité pourquoi pas t'sais, je le vois comme ouais, ouais. en tant qu'acteur ça se pourrait que je fasse une pub à la télé fait que pourquoi pas le faire sur mes réseaux sociaux Genre, il y a eu une, une passe où je le faisais un peu plus comme quand je venais de découvrir ça là maintenant j'en je, je, fais j'en fais beaucoup moins puis mm -hmm. j'essaie d'être vraiment plus piquée euh, sur ce que je fais je, je, de plus en plus là euh, mais c'est comme je me dis tant qu'il y avoir l'opportunité pourquoi pas tu sais il y a un resto genre moi j'adore aller enfin je fais beaucoup j'adore aller au resto mm -hmm. fait que moi un resto m'écrit puis il me dit hey tu viendrais tu essayer genre, notre menu puis tu fais une coupe de story oui oui, j'aurais la possibilité de payer mon repas comme tout le monde, ouais. mais en même temps, je suis comme pourquoi pas, tu sais, ils m'offrent un beau souper une bouteille de vin. Puis puis juste de mettre la totale si tu es là. Ben, c'est ça, tu puis ouais. ça va être bon, puis comme en même temps, c'est que ça me permet aussi souvent d'y aller avec des amis, puis ce que je fais c'est souvent euh, j'invite mes amis qui sont dans ma vie personnelle qui justement n'ont pas accès à ces activités-là ou à se payer des repas de même, fait que je les invite puis ça leur fait un repas gratuit, puis ça leur fait comme une, ça me fait une belle soirée d'amis, mm -hmm. fait que je suis comme pourquoi pas, fait que c'est sûr que d'un côté je suis comme influenceur parce que je l'utilise, puis j'utilise le fait que j'ai des abonnés, puis j'en fais aussi de la promo, Je ne je suis pas dans la dans la genre de gang de ceux qui sont comme qui bâchent sans faire les influenceurs parce que je le fais un peu mm -hmm. moi ouais. aussi, puis je, je l'admets, euh, mais mon point attends, bon, j'avais un point en bout de ligne, ça allait bien mais c'était, mais, mais oui, ah mais ben. c'est sûr que c'est ça, je le fais je le fais pas pour ça, puis je vais jamais comme mon but ne va jamais être d'augmenter dans mes abonnés. Puis si ouais. je perds 5000 abonnés demain matin, ça, je m'en contrefous, ça. Tu comprends? Parce que, parce que je sais que mon métier, c'est pas d'être influenceur, puis ma vie ne dépend aucunement de ça. J'en profite vu que c'est accessible pour mm -hmm. moi. Mais c'est vraiment pas mon but premier. Mais c'est sûr que j'aime le fait que justement, je peux aussi utiliser le fait d'avoir beaucoup d'abonnés pour transmettre des messages. Ouais. Pour... Je, je le fais pas beaucoup parce que honnêtement, les fois que je l'ai fait, euh, c'est juste, il n'y a, 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 a jamais quelqu'un qui va être contente. je rien gagné. J'avais fait un pause, je me souviens <laughs> tu une peux fois. Jamais, mais Jamais, pour vrai. Ouais. J'avais fait un pause parce que, euh, justement, comme je dis, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui parle beaucoup, à un de du changement climatique. Je ne l'utilise pas tant pour parler de ça, même si je pourrais puis je devrais peut-être. Euh, juste parce que je ne suis pas assez cultiver euh, cultivé sur les sujets généralement puis j'ai pas envie de comme m'impliquer sur un débat dans lequel je m'y connais pas 100%. Tu euh, sais en ce moment il y a beaucoup de filles qui font des trucs sur le body positivity ouais. puis j'étais ouais. comme il y a tellement de filles qui se prononcent dessus je vais être une voix parmi tant d'autres puis je vais ramener le même message que tout le monde dit déjà puis honnêtement des filles qui font juste parler c'est beau c'est un beau mouvement mais d'en entendre parler trop tu es des fois trop comme passé c'est comme mm. on a compris. Euh, fait que je l'ai pas fait jusqu'à qu maintenant qu'amone quelqu'un qui commente sur ma photo que je, la raison pour laquelle j'avais pas beaucoup de rôles, c'est parce que j'étais grosse, pis je, genre que je fitais pas dans les standards de, de filles américaines, puis que euh, je devrais vraiment commencer à perdre du poids, que ça paraissait que dans les dernières années, j'en avais pris. Puis c'est la première fois que je me faisais Aïe. commenter genre directement, <laughs> tu sais. Ouais. Fait que, cette fois-là, j'avais comme publiquement fait un message, puis j'avais dit comme quelqu'un m'avait ouais, ça, puis j'avais juste j'avais répondu genre euh, anorexia is not my style, puis après ça, j'avais comme fait des stories pour expliquer que euh, que Je trouvais ça plate qu'il y ait encore des gens qui se cachent derrière les médias sociaux pour intimider des gens, puis que, comme on devrait tous s'accepter, puis que oui, j'ai mes défauts, mais comme j'essaie le plus de m'accepter, bref. Puis même si j'essaie de, comme, parler de ça, j'ai quand même des gens qui viennent me bâcher, puis ah qui ouais. sont, comme, sont comme, tu lui portes l'attention, tu devrais pas faire ça, puis qui étaient comme, euh, tu savais que, genre, l'anorexie, il euh, y a personne qui est anorexique pour être cool. Ouais. J'étais comme, mais c'est tellement pas le propos de mon message, genre, mm. j'ai jamais, genre, j'ai comme juste utilisé le mot anorexie, puis les gens vont utiliser le mot anorexie pour comme me bâcher, puis je suis comme, fait que là j'ai dû remettre une espèce de story pour dire comme en passant, je sais que l'anorexie c'est une maladie mentale, je ne suis pas en train de dire que les anorexiques c'est des mauvaises personnes. C'est comme peu importe ce que tu dis, tu vas te faire bâcher. Fait ouais. que C'est juste ça que je trouve plate, c'est que même si j'essayais d'utiliser mes réseaux sociaux pour ah, pour est un monde qui, Parler de bons est messages, le, je vais me faire bâcher. C'est wild, euh... wild west, les, oh. les réseaux sociaux. c'est, ah ouais, que... um, ouais. Oui, c'est oui, à la mode, puis c'est une bonne mode le fait qu'on endosse des causes, puis tu sais, ouais. on les défend. C'est pas un devoir essentiel, puis dans la vie, il ouais. faut choisir tes combats. Toi, toi tu, ce que tu veux être, c'est actrice, mm -hmm. puis tu devrais mettre tes énergies ton temps là-dedans. Parce que si tu commences à défendre des causes, à argumenter que les gens sur Internet, ça va devenir ça, ta vie. Mm -hmm. À un moment donné, il faut juste faire un choix. Là. Moi, je ouais. le sais. Là, Jessie, a fait ça. Là. Jessie, elle a fait le choix d'être activiste pour des ouais. causes, puis elle ça, ça fait ça à temps plein. C'est ouais. ouais, ça. Il ouais. euh, y a une, une autre question, peut-être une dernière question avant mm -hmm. qu'on qu te laisse partir. Euh, dans, le même, dans la même thématique, on en parlait hier, justement. Il y a... Euh, Scarlett Johansson, qui a fait une entrevue cette semaine euh, sur Hot Ones, qui est un okay. show où qu'il mange des ailes de poulet euh, okay. épicées. Okay. Puis plus ça va, plus les ailes de poulet sont épicées. et okay. à la fin, c'est comme immangeable. Uh -huh. Puis euh, elle, elle n'a aucune présence sur Internet. Elle n'a aucun ouais, média social elle. Elle n'a pas Instagram, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas ah, Twitter, oui, elle a rien oui, de vrai. ça. Puis hier, ce qu'on se demandait, c'est, ou hier ou avant, hier, je ne m'appelle plus on se disait, tu sais, les acteurs slash actrices de cette génération-là euh, qui ont eu, qui, ont, et, qui sont devenus connus, qui sont devenus reconnus, en fait, euh, dans l'ère où est-ce qu'il n'y avait pas les médias sociaux, mm -hmm. eux vont avoir, eux-mêmes, s'ils décident de pas jouer la game Instagram, ils vont avoir encore des rôles pour la fin de leur carrière. Ouais. Tu sais, eux autres, ça ne ouais. changera rien. Est-ce que tu penses qu'en 2019, une un actrice ou un acteur qui veut percer peut le faire avec aucune présence sur les médias sociaux? Um, hmm, c'est une bonne question. Je pense, que, je pense que oui. Je pense que c'est juste plus difficile. Puis je pense qu'il faut encore plus que tu démarques. Par um, ton talent, mettons. Oui, ouais. exactement. Puis par ta, ta présence, euh, soit des talk shows en, en entrevue sur les tapis rouges. Um, il faut vraiment que tu sois juste vraiment bon. Puis je pense aussi que, de la même façon, les gens qui misent seulement sur Instagram pour devenir comédien, ça ne fonctionne pas. Tu sais. À mener donné, donné, les gens vont se rendre compte qu'ils ne sont pas bons. Tu sais, ça, ça va durer un certain moment, là, le fait que comme tu as beaucoup d'abonnés, fait que, fait que tu pognes. Là. Mais tu sais, c'est un peu ça en ce moment là, qui, qui me gosse. Qu Il y a tellement de séries, mettons, euh, sur Netflix là, qui sortent euh, des, des, des films, mettons, euh, « To all the boys I've loved before ». genre. Ou à, mettons, euh, The Kissing Booth. Puis c'est okay. des petits films d'amour prévisibles, un, un peu cheesy, cheesy d'ado. Puis c'est vraiment des films d'ado. Puis ça va tellement pogner que du jour au lendemain, j'entendais seulement cette fille-là parler. Cette fille-là est passée de comme, 500 abonnés ouais. à 1 million d'abonnés ta voix dans comme un peu comme le divine ici. Ouais, ben dans le sens ouais, mais les divines c'est étalonneuse aussi. Ouais, ouais, non non, <laughs> c'était vraiment, pas... vraiment pas ça que je disais, oui, mais un oui. peu l'espèce de boom de comme oui, OK, oui, là tu as un rôle, puis c'est le jour au lendemain exactement l'abonné. Puis du jour au lendemain, à cause de ça, il y a comme eu un hype autour de toi fait qu'il tourne dans toute. Mais souvent c'est que ça arrive avec des acteurs qui sont pas, pas nécessairement si bon, non, ouais. bons, genre fait Ils sont good looking, c'est ça, face. sont beaux puis c'est comme mais reste que c'est c'est rare que tu vois ces acteurs là. Vont finir dans des grands films. Mmh, tu sais, ouais. mettons Zach Efron, il a pogné, mais est, là, là, il a réussi à faire un, un rôle qui est vraiment intéressant, là, qui va sortir euh, bientôt sur euh, Ted Bundy. Là, okay. ouais. Fait, ouais. Mais tu c'est rare, c est, c est, ces gens-là qui vont finir parce qu'à mon je trouve que si t'as juste ça, ouais. ça va pas t'amener loin. Fait que je pense qu'il faut quand même une partie de talent, puis je pense que si t'es extrêmement talentueux, tu vas te démarquer dans tes rôles. Puis ouais. si, en même temps, t'es. Es -tu vrai, -tu, si, un, si un réal te caste pas ou un producteur te caste pas parce que t'as pas assez d'abonnés, ou tu dises aussi que tu as envie de tourner avec un réal, ouais. que c'est ça ses valeurs, ouais. que c'est ça qu'il veut. Qu'il qui, qui cherche pas réellement un talent, qu'il cherche quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Non. Fait que, euh, mais je pense que c'est possible quand même. À, à talent égal. À talent égal. égal est-ce que le est que le, ca le casting director prend la personne avec des abonnés? moi J'ai l'impression, j'ai l'impression tu je, peux me corriger si je me trompe. Que dans un marché comme au Québec, ça doit jouer dans le balance beaucoup. Ah, moi, je trouve, que je, au contraire, je trouve que dans un marché au Québec, justement, je trouve qu'on regarde pas tant le nombre d'abonnés. Ah ouais? Je trouve que justement, au Québec, on y va vraiment plus pour qui s'est le plus démarqué en, en salle d'audition. C'est ouais. sûr qu'on va tout le temps avoir euh, comme les hits du moment. Tu Ludivine quand elle a fait de fugueuse. Que le monde va se faire inviter aux auditions aussi Oui, euh, tu, euh, tu vas te faire. Ouais. Mais tu c'est ça. Parce qu'on s'entend que quelqu'un ouais. qui est capable de tirer 300 000 personnes d'entrée de jeu mm -hmm. euh, au Québec, c'est considérable comme code d'écoute. Oui. Tu sais? Mais je trouve qu'on a quand même un, un peu plus une, une, une diversité. Je trouve qu'on ne voit pas tout le temps les mêmes acteurs ouais, dans ouais, les mêmes rôles. C'est vrai, vrai. vrai que Ludivine, justement, à cause qu'elle a eu comme ce hype-là à cause de, de Fugueuse, euh, sûrement qu'après, elle s'est fait offrir beaucoup d'affaires. Ça a beaucoup de liens avec son talent oui. aussi. Oui, oui. Ouais. Puis même moi aussi, après Monsieur sais, ouais. je me suis fait offrir beaucoup d'affaires, mais reste que comme je vais. Il y a quand même une diversité, puis je ne vais pas jouer dans, dans tout. T'sais, on va pas tout ah, m'offrir ouais. parce que justement, c'est tellement petit que, comme si je me mettais à jouer dans tout, les gens seraient curieux de me voir. Mais j'ai rare style. Ça ouais. <laughs> <laughs> ouais. euh, fait que je pense que justement, on casse plus au Québec les gens pour leur talent, ouais. plus que pour yeah. leurs abonnés parce que on fait justement plus des films indépendants. C'est rare qu'on fait un film, qu'on est comme notre but, c'est que ça se rende aux Oscars. T'sais, mm -hmm. On fait plus des films, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe aussi. Là, je je ne m'y connais pas à 100%. Là. Mais j'ai l'impression qu'on le fait plus justement pour l'or. pour l'or. Pour que on fait des films à gros budget qui vont pogner. T'sais, on en a pas beaucoup là, des, 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 des blockbusters. J'me... On a moins le gun ça tempe aussi de, de dire qu'il faut absolument faire tant de profits. Sinon, ouais. on est vraiment dans ouais. le trou parce que c'est de l'argent public. Ici. On est, est plus loose avec nos subventions. Ouais. Ouais. Vas-y, fais de l'or. Oui. C'est parce que dans le marché du Québec, c'est quasiment impossible de faire un film ouais, euh, rentable. Ouais. C'est ça c'est juste pas dans l'équation mais tu sais tandis que au States c'est c'est juste de l'argent privé puis il faut que tu fasses plus d'argent que Puis au Québec aussi même quand t'as beaucoup d'abonnés ça se fait moins j'ai l'impression que moins on pas autant nos films sur les c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est rare les acteurs sur Instagram que je suis qui Hey, allez voir mon film c'est vraiment rare c'est pour ça que moi c'est comme justement j'ai comme eu ce dilemme là un peu en faisant mon dernier film de requin ouais. c'est les trois filles avec qui je tournais une des filles dans le fond pour un autre truc c'était comme elle avait fait un autre tournage je me souviens justement ça m'avait choqué quand même de ça c'était contractuel dans son contrat de film fallait il fallait qu'elle promouvoie. après la série elle avait tant de posts à faire sur la série puis Avais eux euh, beaucoup d'abonnés sur ces euh, réseaux sociaux vraiment non mais, mais vraiment pas, pas tant temps, en fait mais euh, les deux autres, euh, ils ont à peu près un million d'abonnés sur leurs euh, réseaux sociaux. Puis, euh, justement, comme ça Eux, ils vont, le le contrat, ouais. ils vont vraiment le faire. Ils vont vraiment le faire, tu comme promouvoir le film, sortir, genre, tu sais, comme quand ça sort, genre, deadline, le genre, telle teaser, personne. Là, ouais. Parce que nous, on ne l'a jamais tant fait. Puis là, je ne savais pas trop quoi faire parce qu'en même temps, ils faisaient tout. Puis j'avais envie d'en parler. Puis j'étais fière. Ouais. En même temps, je suis comme si c'est comme un on fait pas tant ça au Québec fait que là je voulais pas avoir l'air de la fille qui est comme imbu de soi-même qui est comme ouais genre je tourne dîner quand c'est cool si je voulais pas avoir l'air de ça fait que je me moi sur le plateau de tournage c'est ça sais, je le mettais en story puis j'étais comme c'est même des segments mettons d'entrevue, qu'on est comme hi guys we're on the set of 47 meters down. même ça si je l'ai mis puis j'étais comme parce que les trois filles l'ont mis mais je suis comme moi je au Québec puis j'étais comme je me sentais un peu mal puis j'étais comme j'ai l'air de tellement comme la croire mais en même temps en même temps, tout le monde le truc. fait, ouais, c'est une y... façon de promouvoir son film, Il y a une grosse différence entre faire de la pub pour euh, un shampoing puis faire de la pub pour ouais. ta propre affaire là. Ouais. Faire de la pub pour ton film et personne qui va faire ça ah, si elle fait encore ouais. de la pub pour son style d'œuvre d'art <laughs> qu'elle a faite ouais. je pense que le monde va être ouais. correct avec Mais ça. Ça. Ouais, ça passe mieux. Mais c'est vrai que je pense qu'aux États-Unis, c'est plus un truc d'utiliser les réseaux sociaux ouais. comme média de de, de publicité. Ouais. Fait que je pense que pour revenir à tantôt, à, à talent égal je pense que c'est plus aux États-Unis, justement, ouais. qui la si personne on... qui a le plus d'abonnés veut. Va... Ouais. Il, il y a pas. des exemples. Il y a un film au stade, qui s'appelle The Florida Project, je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Ouais, c'est un genre chose. de film euh, ben, indépendant où c'est, dans le fond, le personnage principal, c'est une non-actrice, c'est une euh, Instagrammeuse, une okay, ouais. influenceuse. Là. Puis le, le, le réal, lui, il a fait plein d'entrevues, puis il trouvait pas le cast parfait. Uh -huh. Puis il y avait comme référence cette fille-là. J'aimerais ça trouver une actrice comme elle, qui a son look, puis qui a comme un peu ouais. son attitude. On va prendre. Puis il a cherché, il a cherché, il a cherché. Amener quelqu'un, a dit Pourquoi tu la casses juste pas elle Ouais. Ok, puis là, finalement, ça marche à fond, là. tu ouais, Comme ouais. Pascal avec Lisande. Ben, C'est ça, puis mon mm. frère, dans le même ordre d'idée, il a, il a casté Lisande Nadeau dans les faux tatouages, mm. sais, pour un petit rôle. Pas parce qu'il s'est dit Elle euh, a tant d'abonnés, ça mm. va faire de. pas du tout. Il voulait. Parce que lui, premièrement, il aime ça travailler avec des non-acteurs, parce mm -hmm. que il y a quelque chose, il y a une espèce de rawness-là ouais. qui, qui peut être le fun ouais. dans certains cas. Puis euh, elle avait justement le naturel du rôle qu'elle avait besoin. Ça marche à fond. Lysande, elle, elle est super bonne dans son mm -hmm. film pour le rôle qu'elle fait, tu sais. fait. Fait c'est ça. Dans certains cas, des fois, il y a des personnalités que c'est pas nécessairement l'abonné qui t'attire mais c'est juste le fait que cette personne-là a quelque chose de spécial. Mm -hmm. Puis dans le film, ça marche. Oui. Mm. Ouais. Hey. Merci beaucoup d'avoir oui, été là. Je vais là. prendre un, deux secondes parce ouais, que ouais. je vais avoir l'air vraiment à nous yeux, mais j'ai un ami qui écoute ton émission. Oh, shout out à ton ami. Puis je vais juste dire allô à Phil parce que c'est sûr qu'il est dans le métro en, ben, en ce moment, là, en train de l'écouter jusqu'au complet. Puis Il m'avait dit si jamais tu passes, c'est notre diras boy. C'est hey, notre boy, Phil. Merci ouais, d'être ouais. là, Phil. Merci de nous écouter. Merci <laughs> à Phil et merci à tout le monde qui nous écoute aussi. Ouais, merci, la gang. Hey, merci mmh. pour cette belle conversation. Merci à vous. Yes. <laughs> Bye. yes.